Salut à tous la team! Regardez, on est présent, maillot noir, blason de l'Olympique Lyonnais sorti, et regardez le beau gosse de Coquinho qui est prêt à animer cette magnifique émission. Comment tu vas, mon Cook? Bah bonjour, bonsoir à tout le monde, amis Lyonnais, amis Jordan, on est de retour pour bah voilà de cette trêve internationale qui enfin se termine, mais on va voir qu'elle a malheureusement quelques répercussions sur nos Lyonnais, et notamment jeudi, et on en parlera. Jordan, cher ami, ça y est, c'est la fin des vacances. Lyon a repris Et son train-train quotidien, entre guillemets. Il a repris la Ligue 1, et surtout, il reprend des places au classement, il reprend des points, il marque des buts. Écoute, pour moi, c'était un super week-end, je sais pas ce que t'en as pensé. Super dimanche, ça fait plaisir. ah ouais, un régal total. Les Fenottes qui écrasent Dijon, l'Olympique Lyonnais qui sort une prestation fabuleuse, le retour des Bad Guns, une ambiance électrique, Et c'est vrai. bouillante. C'était exceptionnel, franchement, un week-end sensationnel du côté de Lyon. C'est vrai, les amis. Déjà, bonjour, bonjour à tous. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses hein, à parler. Il y a eu, comme tu l'as dit, le retour de l'ambiance, le retour du football champagne, entre guillemets, le retour des joueurs en top forme. Franchement, ça faisait longtemps, entre guillemets, que j'avais pas vu un match plein, mais ça, c'est mon avis, de l'Olympique lyonnais. Donc voilà, on va essayer d'en parler avec vous. C'est important aussi que la communauté se ressoude un petit peu. J'ai l'impression que ce retour dans le stade a fait du monde déjà à beaucoup de gens. Tu peux nous en parler, apparemment, de l'ambiance. Ouais, C'était quand même important, et c'était attendu. essentiel. Bah, de toute façon, tout le monde attendait le retour du COP Nord, même si c'est vrai que le COP Sud, les 1950, les bleus et rouges et Ils j'en avaient fait passe, le boulot. exactement, ils ont fait le taf, mais on sentait le manque d'ambiance. Quand moi, j'étais au stade, je viens tout le temps, je rentre dans le stade 1 heure et quart avant parce que j'aime voir les gens arriver, etc. On les entendait dans. De dehors, hein, ils étaient brûlants. Le stade était en fusion, ça vibrait. Et quand le COP Nord a débarqué dans sa tribune, le retour après 1 an et demi de crise sanitaire, on a senti que c'était explosif. Et oh là là, quel régal, quel régal. Et pour et oui, les gones, parce que moi, bon, j'étais pas au stade, mais j'ai perçu cette ambiance. Toi, tu étais au stade, tu nous en parleras. Mais on va accueillir nos chroniqueurs du soir. Il y Et a oui. du retour, il y a de l'habitué. On va commencer par Anis, le chevelu de l'équipe. Comment il va, Anis? Très 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 bien. Bon, personne ne l'a vu, donc on ne dit rien, on verra la surprise, mais très très heureux de vous Silence, retrouver. ça pousse. Ouais, exactement, bien joué. En tout cas, très heureux de vous retrouver. La période des matchs amicaux, enfin amicaux ou pas d'ailleurs, internationaux, c'est trop long et je suis heureux de retrouver l'Olympique Lyonnais et de vous retrouver dans cette émission. C'est Autre chose qui partagé. a été trop long, c'est l'absence de Thiago aussi dans cette émission. Comment il va Thiago? Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que tout le monde l'entend? Salut les amis, est-ce que vous me voyez tous? J'imagine que oui. On te voit, on t'entend, Oui, c'est magnifique. c'est Alors, sublime. vous oui, moi non, mais l'essentiel c'est que vous le voyez. Donc il n'y a pas de problème. Comment tu vas, mon Thiago? Eh bien écoute, ça va très bien. Je sors d'un petit live justement que je vous invite à retrouver sur notre Instagram, donc sur Gunback. Donc je vous invite à aller le regarder. Je vous en dis pas plus, c'est la Bah surprise. si, Mais sinon dis-nous qui est écoute. l'invité. Ah bah oui. Ah, c'est donc l'invité, c'est Virginie Saint-Cilly de l'équipe du soir, et également consultante chez, enfin Prime. consultante journaliste sportif également sur Prime Vidéo. Ouais, voilà. Donc on a passé un agréable moment que je vous invite à regarder sur notre Instagram. Je répète, Gone Back TV. Voilà. Et puis écoute, pour ce qui est en tout cas du match d'hier, bah, on en parlera tous ensemble après. Mais très content de la victoire. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Carrément. Il y a le retour aussi de Jeannot, le stagiaire. On sait que vous l'appréciez. On sait que c'est votre petit chouchou, hein, évidemment. Comment il va, le Jeannot? Est-ce qu'il s'est régalé, le petit? Salut les amis. Ouais, non seulement heureux de la victoire, mais aussi très heureux de vous retrouver après une longue, Ah, ça longue fait du trêve. bien, hein. En vrai, c'est Oh vrai là que ça là. manque, hein, un peu. Ah, mais À il chaque faut fois. dire que à chaque fois on se plaint de cette Ligue 1 de notre Olympique Lyonnais et au final, dès que ça part un week-end,
on s'en plaint, mais il faut dire que là, non seulement ça te détruit tes joueurs physiquement, et en ah plus, ouais. Et en plus, ouais, ça te manque. Hein. Surtout que je sais pas, les amis, mais en tout cas, on a une Ligue 1 plutôt plaisante. Et ouais. Pourquoi j'ai l'impression encore plus que cette Ligue 1 est plaisante, c'est que Lyon avait mal commencé, mais les Lyonnais appréciaient de regarder d'autres matchs, appréciaient aussi de voir du football un petit peu sur tous les stades. Est-ce que c'est l'effet Prime Vidéo? Est-ce que c'est l'effet des nouveaux coachs qui sont arrivés? En tout cas, moi, je trouve vraiment mon plaisir à regarder cette Ligue 1. Et je trouve qu'elle a de moins en moins à envier à d'autres championnats, même si l'Allemagne reste quand même très attractif. On a vu le match aussi du Real hier, où il y a eu pas mal de buts, et notamment triplé de Benzema. Donc franchement, au niveau du foot, alors pas en nation, mais en club, moi, je trouve que je me régale plutôt. Et donc voilà. Mais peut-être que notre cher Anis va nous décrire en fait ce football français qui s'améliore avec le point Ligue 1. Jordan, est-ce que tu as un jingle pour le point Ligue 1 d'Anis le chevelu? Mais bien sûr, toujours. Française, Français, nous allons écouter le point Ligue 1. Et c'est généralement à ce moment-là que Liberté d'Expression nous dit « Vos jingles, c'est de la merde, donc on les gardera ». Anis, le point Ligue 1, on t'écoute. Avant de commencer le point Ligue 1, je veux vous rejoindre et je veux dire la même chose. Je suis agréablement surpris par ce début de championnat. Ouais. On assiste chaque journée à vraiment de très très belles journées, de très beaux matchs. Enfin, pas tout le temps, mais majoritairement, je trouve qu'il y a de beaux matchs. Et je rajouterais même plus que Prime Video, je pense qu'a apporté quelque chose en plus, qui fait qu'aujourd'hui, je trouve qu'en termes d'image, en termes de conception, c'est vraiment dans l'air du temps. Alors c'est pas si innovant que ça. Je pense que c'est le mode de consommation, par contre, qui change beaucoup. Ouais, mais... Et aussi et surtout, le changement aux commentaires. Ouais. Tu vois, tu as des gens, ils merde, viennent, ils sont renseignés. Et le retour à la simplicité aussi. Exactement, c'est ça. On est retour à la simplicité, le bord de terrain, une petite table, deux mecs qui présentent, on laisse place au football, place à l'ambiance, et ça c'est fantastique. Et ça c'est bien pour nous. Hein. Ouais, mais bien sûr. Et tu sais quoi, en plus de Prime Video qui fait un travail magnifique, il faut quand même, et c'est moi qui dis ça, hein, il faut quand même remercier un arbitrage qui est quand même de plutôt bonne qualité cette saison et qui met en valeur justement ce football-là. Mais rappelle-toi ce que je te disais, Jordan, en off ou même aux autres avec qui on a échangé. L'arbitrage, c'est quelque chose, mais l'arbitre, il applique une règle, d'accord? Si la règle, elle change et qu'elle prône un peu plus le jeu, le laisser aller, l'avantage, etc., l'arbitre, il le fera, tu vois, plus ou moins bien, mais il le fera. Et je trouve que la Ligue 1, en soi, est en train d'améliorer son produit grandement. Oui. Et ça, je pense que c'est même... favorable pour l'OL qui a plutôt de la réussite contre des équipes qui jouent. Ouais. Il faut dire que les équipes travaillent bien aussi, les clubs travaillent très bien. Ah, bien sûr, mais ouais. Ça, peut-être qu'Anis va nous traduire en stats, en chiffres, en résultats. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée de Ligue 1 à part l'OL? À part l'OL, encore une journée prolifique et une journée très intéressante. Vendredi, Lorient a reçu le champion en titre lillois. Lorient, quel match des Lorientais. Et c'est là où on peut voir aussi que peut-être Lille, l'année dernière, a un peu surperformé. Alors, quand je dis ça, il faut toujours faire attention, mais je pense que cette fois, je trouve qu'ils n'ont pas perdu trop de joueurs. Et pourtant, on ne retrouve pas la patte Galtier, on ne retrouve pas le jeu de l'année dernière. En tout cas, c'est une belle victoire lorientaise qui arrange aussi un peu les Lyonnais, on ne va pas se mentir. Samedi, il y a deux très beaux matchs aussi. Il y a eu le PSG qui a reçu Clermont Foot. Clermont qui ont fait égalité avec nous 3 partout. Là, c'est un score sans appel. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Encore un très beau match pour l'avoir vu. Puis, le soir, on a Monaco qui a reçu Marseille. Un des gros chocs de cette journée. Marseille s'est imposé 2-0 avec une très, très, très belle équipe marseillaise. Elle est équilibrée, très beau joueur, hein, Amine Harit qui est vraiment très très bien intégré dans cette équipe. Et ça me fait plaisir parce que c'est un Marocain, mais ça m'écorche de dire que Marseille joue bien. Ça m'écorche vraiment de il dire. Place ses pions, il place ses pions. En tout cas, ça va être de très bons matchs contre Marseille. Dimanche, on a aussi une très belle journée. Tous les autres matchs se sont joués. Montpellier ont reçu Saint-Etienne avec
Une victoire des Montpellier 1, 2 buts à 0. Bordeaux-Lens s'est terminé sur le score de 2 buts à 3. Lens les a dépassés en toute fin de match. Très beau match. Très beau match également. Par contre, attention à Bordeaux, ils sont derniers. Je pense qu'il leur faut un peu de temps avant de remonter au classement, mais je pense que ça va être une bonne équipe. Ou de filer en Ligue 2. Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont monter, mais ça va être une belle équipe. Mais ils dépasseront pas la saison. C'est chaud. Laissons-nous un peu de temps. Il vient d'arriver quand même. Ah oui. Brest, Angers, même chose. C'était un beau match. C'était un seul match nul, mais pourtant, c'était un beau match aussi. Angers a très bien joué face aux Brestois. Finalement, notre coach, notre ancien adjoint, fait des merveilles chez Angers. Metz recevait 3 avec une victoire troyenne sur les terrains de Metz, 2 buts à 0. Rennes de Genesio ont reçu Reims, ils ont perdu 0 avec. Alors, les Rennais, excusez-moi si vous nous regardez, mais on vous avait prévenu et on vous le dira à chaque match, vous allez souffrir avec Genesio. Nantes ont reçu Nice avec une victoire niçoise. Alors, personnellement, je trouve que Nantes a très très bien joué. Ils ont dominé presque la majorité du match, mais. L'attaque niçoise est vraiment belle et ils ont attendu, je crois, le dernier quart d'heure, même pas les 10 dernières minutes, pour marquer les deux buts. Mais ça ne méritait pas une victoire niçoise, personnellement. Et bravo aux Niçois, hein, du coup, qui se sont imposés. Et le dernier match qui était donc le match du dimanche, Lyon contre Strasbourg, en débrief. Tout de suite, à vous les studios. D'ailleurs, on a eu de la chance d'avoir ce match un dimanche, parce que quand tu as quand même un Marseille-Monaco qui est programmé, tu dis que c'est peut-être celui-là le match du dimanche, mais tant mieux pour nous. Mais écoutez, Lyon, comme quoi Lyon est une grande équipe, Lyon fait de l'audience, et Lyon a produit plutôt un bon match. On va le débriefer, mais à Nice, juste je rappelle le classement. Donc on a le Paris Saint-Germain, évidemment leader, 5 matchs, 5 victoires. Ensuite c'est Angers, tu l'as dit, le Gérald Baticle chaud qui continue. Marseille qui confirme, entre guillemets, surtout contre un gros, donc ça c'est bien pour Marseille aussi, qui confirme sa place sur le podium en 3e. Nice et Lens qui suivent à 9 points, et Clermont et Lyon à 8 points. Donc Lyon qui se replace dans ce classement, qui se replace aussi au niveau du jeu, et ça c'est important, et qui va recevoir le Paris Saint-Germain, donc ce serait bien vu, je pense, de prendre les 3 points contre Paris, parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup de nos concurrents directs qui vont aller chercher des mais points. Mais qui se replace dans la tête aussi, Lyon. Exactement, mais on va en parler justement de se replacer dans la tête, parce que j'ai senti que dans l'équipe, il y avait des petites divergences sur l'appréciation du match, même si globalement on est content. Il y en a toujours qui sont plus adeptes de la première, la deuxième mi-temps. Donc Jordan, on va passer au débrief, les amis. N'hésitez pas à commenter, lâcher un like et surtout, donner votre avis dans le chat. C'est évidemment important. Jordan, le débrief, jingle, tout ça. Ouais, allô. Allô ? C'est ici le débrief ou pas ? Oui. Alors, mes petits amis, mes petits Lyonnais, mes petits Gaunes, déjà, on va faire un débrief en 5 temps. C'est Jordan qui l'a décidé. Moi, j'applique les directives du chef. Au global de ce match, on retrouve Lyon, on retrouve l'ambiance, on retrouve du jeu. Est-ce que vous êtes content, Thiago ? Toi qui es plutôt exigeant, toi qui remets souvent l'OL en question, est-ce qu'après ce match, ça t'a plutôt ravi ? Eh bien, écoute, oui. Oui, ça m'a plutôt ravi. Après, attention, je vais nuancer un peu mes propos, mais vraiment très légèrement. Je ne te cache pas qu'en première mi-temps, après le premier quart d'heure qui était vraiment très très bon, et le but de Moussa Dembélé, après le premier quart d'heure, je voyais un peu l'équipe ronronner. On ronronnait, on se faisait un peu la passe à 10, on ne trouvait pas de solution. On a eu beaucoup de déchets au milieu de terrain. Donc j'étais un peu anxieux, mais finalement, en deuxième mi-temps, on est revenu avec les armes à la main, le couteau entre les dents, et puis on a réussi à faire valser cette équipe de Strasbourg. Voilà, mais en tout cas, oui, bien évidemment, je reste malgré tout très content. Mais c'est vrai que le début de match, j'étais un peu pessimiste quand même. La fin de la première mi-temps, surtout où je voyais un peu Strasbourg se créer quelques situations. Donc voilà, j'étais un peu... J'ai eu un petit peu peur quand même. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste un match très correct et ça peut être bénéfique et ça le sera, je pense, avant cette confrontation contre les Rangers en Coupe d'Europe et bien évidemment le gros choc le week-end prochain contre le Paris Saint-Germain. C'est vrai, t'as raison, Thiago. C'est
des semaines importantes. Nous, on est en besoin de points en Ligue 1. On doit se préparer aussi pour, tu l'as dit, pour l'Europa League. Il y a un déplacement tumultueux, entre guillemets, on en reparlera tout à l'heure. Anis, toi, qui est souvent peut-être le plus objectif ou qui essaye tout le temps de trouver la mesure et la nuance, après ce match, après cette victoire, bon, 3-0, 3-1, chacun jugera, mais bon, dans le contenu, on est plus proche d'un 3-0 que d'un 3-1, selon moi. Est-ce que tu es rassuré et surtout, est-ce que tu t'es régalé? Parce qu'on a besoin, et c'est l'objectif premier, c'est de s'amuser sur le terrain. Est-ce que tu as retrouvé tout ça? Alors, moi, je suis à la fin de ce match, j'étais heureux de la prestation. Ouais. Par contre, pour moi, cette équipe manque encore de quelque chose. On va juste remettre le contexte. Je pense qu'il y a quand même un... L'équipe type n'était pas là. C'est-à-dire qu'on n'avait quand même pas Paqueta, on n'avait pas Boateng. Je pense que c'était... Je ne sais plus qui n'était pas là aussi. Bref, c'est pas grave. Bah, Cacré, qui n'est pas titulaire. Cacré, voilà. Merci. Cacré qui n'était pas là. Donc, du coup, déjà, ça ne formait pas la bonne équipe. Parce qu'effectivement, quand tu as Thiago Mendes, c'était pour moi le plus faible de cette équipe-là et qui a un peu ralenti le jeu. Cependant, encore une fois, je pense que cette équipe est en train de monter en puissance. Ça se sent, ça se voit. Je pense que ce match a eu un déclic de quelque chose. Avec le supporter, avec le coach, avec le jeu. Parce bah, qu'en c'est deuxième ça. En deuxième mi-temps, je trouve que le jeu a été beaucoup plus fluide qu'en première mi-temps. C'était très, très bon. Très, très bon. Pour moi, il reste encore quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi cette chose. Est-ce qu'il faut peut-être un attaquant, un autre ailier, peut-être que Toko. Je ne trouve pas qu'elle a été trop mauvaise, même s'il faisait partie des mauvais, mais bon, on en parlera plus tard. Je trouve que voilà, c'était juste la petite chose qui fait qu'aujourd'hui, je ne dis pas que l'OL va être parmi les trois premiers, mais. Ah bah, mais de toute façon, à Nice, à ce moment du championnat, tu peux tout oui, dire. De toute façon, mais on peut avoir quelques assurances, mais là pour l'instant, je trouve que. Ça va dans le bon sens et ça, c'est ça qui me rassure en fait. Et c'est ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'on va toi, vers le bon sens. Pour toi, Lyon s'est remis à l'endroit, mais honnêtement, là, les deux premiers chroniqueurs, là, Thiago et Anis, franchement, je trouve que vous faites un peu la grise mine. Est-ce que Jeannot peut défendre peut-être mon point de vue, honnêtement? Moi, je me suis régalé. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas régalé sur la durée d'un match, quoi. Enfin, je sais pas. C'est exactement ce que je disais à Joe tout à l'heure. C'est que en sortant du match, eh ben, j'avais directement envie d'en revoir un autre. Bah ouais. Et là, toute la journée, j'avais envie de retourner au stade, de gueuler et de me faire le match suivant. Donc voilà, ce match. Alors, je vois très bien que la première mi-temps n'est pas exceptionnelle. Ouais, mais un match n'est jamais parfait. Et tout non temps, mais hein. Laisse-moi m'exprimer. Ah oui. je dis simplement que très souvent, on s'est plaint de jouer une mi-temps sur deux. Là, ça a été un peu le cas, mais on a été meilleur. Comment dire? On n'a pas subi vraiment d'occasion, on ne s'est pas fait peur. On était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus propre. J'ai senti cependant un manque de rythme. Les joueurs n'étaient pas encore dedans. Tu sentais que bon, Shaqiri, ça tâtait un peu le terrain. Ça avait peur de faire des erreurs. Malo Gusto, j'ai revu le match Thiago. Effectivement, je trouve sa première mi-temps bien meilleure. Ah oui. Mais tout de même, il y avait quand même quelques erreurs. Ce qui ne s'est pas vraiment vu en seconde mi-temps. Ouais, franchement, mon petit Jeannot, t'es un peu dur avec Gusto. Ah, il était très, non, très mais... bon, vraiment, hein, vraiment. Non, mais il a été bon, je dis bien, mais il y a certaines déchet, fois où le contrôle est quand même approximatif, ou la passe aussi, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande, parce qu'il est explosif, il va t'apporter une bonne qualité de centre. Défensivement, il a quand même fait de bons retours. Donc voilà, cette première mi-temps, elle est pas exceptionnelle, mais elle est satisfaisante, étant donné que même quand on n'arrive pas à jouer, on arrive à ne pas se faire peur. Et en seconde mi-temps, j'ai vu des joueurs qui commençaient à se connaître. J'ai vu une réaction, des joueurs qui ont repris le rythme et qui trouvaient plus des lignes de passe. Et tout de suite, ça a fonctionné. Donc ce match, il est très positif, étant donné que vaut mieux avoir une seconde mi-temps avec une réaction et qui est parfaite qu'une première mi-temps et après la descente aux enfers et on s'emmerde pendant 45 minutes. Donc voilà, moi je suis plutôt très positif avec ce match. Bah alors par contre, je trouve que dire qu'on ne s'est pas fait peur, on a eu quand même deux grosses actions. Heureusement qu'il y a Lopez qui nous a sauvés. Il y a eu des errances en défense un peu quand même chelou. Et nous aussi, de notre côté, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup raté. Et on a fait, et on a,
Surtout en première mi-temps, je trouve qu'il y avait vraiment du déchet technique. Et c'est ça qui faisait me dire qu'on est en train de monter en puissance et que je suis, qu'il manquait quelque chose à cette équipe. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas content, bien au contraire. Et surtout que, justement, au milieu de terrain, Guimarães et Mendes, franchement, les 30 premières minutes étaient complètement perdues dans le milieu. Donc, ce qui faisait que la défense était étirée vers l'arrière et donc ne montait pas. Donc c'était un peu une équipe un peu coupée en deux. Donc, on a eu, comme a dit Anis, quelques frayeurs, oui, dû à un petit Gamero feu follet, un Ludovic Ajor qui prenait tous les ballons. Mais voilà, mais sinon, encore une fois, dans l'ensemble, c'était un très bon match. Après, il faut rester calme. Moi, je reste mesuré. C'est que Strasbourg. Voilà. Restons calmes. Si on fait la même perf contre les Rangers. On peut pas dire à chaque fois, c'est que cette équipe en face. Quand Paris gagne 4-0, on dit ils ont gagné 4-0, ils ont maîtrisé. Tu vois, avec Bruno Genesio, on mettait 2-1 au PSG, par contre, on perdait 4-1 le week-end suivant contre Dijon. C'est exactement ça. Moi, personnellement, j'ai trouvé j'ai vibré dans ce match. Wow. Malgré que la première mi-temps, j'étais pas. Toi, t'étais au stade en plus. J'étais au stade à la première mi-temps, j'ai trouvé que c'était statique, que ça manquait de mouvement, que le ballon, une fois qu'on dépassait la ligne médiane, on ne savait plus quoi en faire. Moi, j'ai vu ce jeu stéréotypé un petit peu en U, cette ligne de passe en U vers l'arrière. Je l'ai vu beaucoup trop en première mi-temps. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment d'appels. Par contre, peut-être qu'on était dans la gestion, peut-être que c'était aussi Peter Bosz qui voulait mettre en place ça. Et quand les joueurs sont revenus sur le terrain, j'ai vu le Brésil. C'était le Brésil hier en seconde mi-temps à Lyon. J'ai vu un Olympique Lyonnais comme j'avais pas vu l'OL depuis très 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 longtemps. Donc, est-ce que c'était une gestion de la part de l'équipe? Peut-être. Moi, j'ai trouvé que la globalité du match était très bon hier, en fait. Avec du recul, avec le match terminé, je suis très, très content et très satisfait de ce que j'ai vu. J'ai vu un Gusto en feu, j'ai vu un Guimarães en feu. On a pu voir un Shaqiri que tout le monde attendait, qui fait sa première passe D avec son pied droit qu'il arrive pas spécialement normalement à utiliser. J'ai vu un 12e homme qui était incroyable. En fait, toute l'harmonie du match était spectaculaire hier. Et personnellement, moi, je vous trouve quand même un petit peu difficile. Pourtant, je ne suis pas tendre avec la première mi-temps, mais je vous trouve quand même vachement difficile. Je vois une réelle progression entre le premier match de Bosz et celui-ci. Ouais. Et je trouve que la progression est fulgurante de match en match. Mais justement, Jordan, nous, on avait une vision différente sur, je crois que c'est le match de Clermont, il me semble, où tu me disais, ouais, mais je vois des choses et moi, je ne les voyais pas. Bah, honnêtement, alors je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est l'arrivée de nouveaux joueurs? Je sais pas, peut-être, très certainement. Mais honnêtement, quand je sors du match hier, c'est la deuxième mi-temps qui est peut-être très très bonne qui te fait un petit peu, tu vois, en comparaison où tu regardes la première, tu dis ouais, c'était pas ouf. Mais globalement, de la première à la dernière minute, à part même parce qu'on prend quand même ce penalty avec cette main un peu bizarre de Gusto. Ouais. Mais honnêtement, Lyon aussi consistant, justement, on parlait des errements lyonnais, c'était « ouais, mais on concède trop, on concède trop ». Oui, on concède encore trop de frappes. Oui, Lopez est quand même encore décisif. Mais quand même, tu vois, j'ai l'impression que la différence entre le danger qu'on subit et le danger qu'on provoque, c'est en train de s'équilibrer. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça correspond à la philosophie de jeu de Peter Bosz. On savait qu'on allait avoir beaucoup d'occasions et qu'on risque de marquer beaucoup de buts. Mais là, ça s'équilibre. Mais on sait aussi qu'on va encaisser pas mal d'occasions. Et en première mi-temps, quand vous dites qu'on s'est fait peur, mais moi, je n'ai pas trouvé. Alors, de mes souvenirs, il y a une frappe qui est déviée et qui est hors cadre. Où tu te dis, du stade, on s'est dit, oula, c'est pas passé loin. Mais mis à part ça. Ça reste du foot, tu concèdes toujours des occasions. Oui, voilà, exactement. Bien sûr. Moi, j'ai trouvé qu'on était dans la gestion et qu'on a très bien géré cette première mi-temps sans être forcément excellent. Ouais, mais il ne faut pas oublier, justement, on va passer à l'analyse des joueurs.
Y a des confirmations un petit peu, Anthony Lopez qui revient bien. Donc enfin, ses qualités sont, je pense, mises en lumière, hein, honnêtement. La vitesse à laquelle il tombe au sol, la qualité aussi de ses relances. Il a toujours été dynamique sur toutes ses relances à la main. Il a toujours essayé de relancer le plus rapidement possible. Il a fait un très bon match. Ouais. Il a fait un bon match et puis surtout, il a les propositions, tu vois. Moi, je me rappelle de certains matchs, Lopez, il a le ballon, il veut jouer vite, tu vois. Mais, tu sais, ça se replace comme ça, là, tu vois, ça regarde un petit peu la pelouse. Là, ça demandait le ballon. Moi, j'ai trouvé un match d'Anto Lopez, encore une fois, très, très plein. Donc, ouais. Franchement, je suis très content de retrouver Lopez à ce niveau-là. Mais bon. Et ça fait plusieurs matchs, en plus, ça fait plusieurs matchs où on voit un Anto Lopez qui enchaîne. Est-ce que, quand même, les dires de... j'ai perdu le nom de Puy de Bois. Est-ce que les dires de Nico Puy de Bois étaient pas véridiques en fait? Il nous a dit dans la dernière émission que Anto Lopez il a eu un problème avec son ancien entraîneur des gardiens qui n'était pas approprié à ses qualités et que Vercourtre lui le connaissait parfaitement et arrivait à le faire progresser. Et moi, je vois ça. Je vois un mec qui progresse. Je vois un mec qui mentalement est bien et qui médiatiquement n'est pas dans la tourmente. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Non, mais oui. En plus, tu le vois à la fin du match, là, qui retrouve ses potes, entre guillemets, des bad guns où ils vont chanter, tu vois. C'est avec beau. Avec le micro. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, faut respecter un peu le joueur qu'il est, tout en mettant en fait en avant les erreurs qu'il peut faire et qu'il encore fera une fois. Encore une fois. Juste pour parler des erreurs où il y avait pas mal d'erreurs n'empêche la saison passée, je pense que c'était surtout dû dans la tête. C'était de la défense et même dans la tête. Il avait pris un sacré coup au moral avec son interview sur RMC en tout début de saison dernière. Et je pense que ça l'a vraiment moi je pense qu'il y a une accumulation de catastrophes. Et j'ai personnellement, j'ai jamais douté du niveau d'Anto. J'ai toujours été persuadé que c'était dans la tête. Et il y a eu le départ très brutal de Greg Coupé, qui a été très difficile pour lui. Les adieux qui ont été pris en vidéo, tu sens que le mec, il est pas bien. Avec le nouveau coach des gardiens, c'était pas terrible. Et puis, le manque des supporters. Ouais, et si on rajoute à ça les fautes, l'acharnement médiatique, le mec, il était détruit. Et, remise en cause des supporters. Parce que je pense qu'un Lopez, un journaliste qui lui dit t'es une merde, je pense qu'il peut s'en remettre. En revanche, d'avoir énormément de messages, entre guillemets, qui te remettent en question, alors que, entre guillemets, c'est un peu ton club de cœur, etc. Enfin, c'est même clair et net. Bah, ça doit toucher, tu vois. Mais bien sûr, il avait des progrès à faire. Et moi, ça m'énerve quand on dit « Et est-ce qu'on peut ouvrir le débat ?» Le débat, s'il fait un mauvais match, il fait un mauvais match. Mais arrêtez de chier à la gueule d'un joueur pour rien, juste pour faire des clics et des faves, quoi. C'est imbuvable, ça. Moi, j'étais le premier à le critiquer, à lui dire que pour moi, c'est terminé. Aujourd'hui, il m'a fermé la gueule et c'est très bien. Je préfère qu'il fasse ça. Et que, à chaque fois, on demande ça, ouais, c'est vrai. Ouais, que moi, je ferme la gueule et qu'il m'a fait taire, c'est vrai. Je vais pas me mentir. De là à dire que... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est match OK, super, très bien. Il progresse ou pas? Je sais pas si c'est progrès, je trouve juste qu'il progresse. Il est décisif ou pas? Par contre, si tu vois pas qu'il progresse pas, c'est qu'il y a un souci, parce qu'il augmente de match en match. T'es un peu dur à Nice là. Moi, je te trouve dur à Nice. Moi, je trouve qu'il avait déjà ce niveau-là avant sa crise de. Avant, oui. Voilà, c'est qu'il avait un très bon niveau avant. Ensuite, il y a eu son problème mental, etc., avec le coach, très bien, et ça. Bon. Non, mais il y a plusieurs facteurs. Oui, il y a plusieurs facteurs. Et là, personnellement, je trouve qu'il retrouve le niveau d'avant. Je ne trouve pas qu'il a... Moi, je trouve qu'il progresse. Je trouve que juste, il a retrouvé le... Et ça me rassure. Et je trouve que peut-être qu'il nous a sauvés plusieurs fois. Mais encore hier, par exemple, il y a deux actions où j'ai un peu peur, où je vois la balle venir et qu'il ne saute pas et qu'il fait juste ça et on prend faute alors qu'il aurait dû sauter et taper bien la balle. Il y avait une autre action avec Gamero qui... Non, c'est pas Gamero, c'est l'autre qui était... C'est un bon quand même. Hein. Ouais, après à Nice, juste pour la progression de Lopez. Juste pour la progression... Oui, Thiago. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y.
Ok, très bien. Non, non, mais simplement, juste pour sa progression, je te rejoins, Nice, juste sur ce point-là. Effectivement, Anto Lopez, il a quoi? Il a 31 ans. Donc là, il est un peu dans la force de l'âge. Alors, on sait qu'un gardien, ça peut durer jusqu'à 40 ans. Il est totalement dans la force de l'âge. Mais il est dans la force de l'âge. Donc, je pense qu'il est en gros, il a connu son prime au tout début de, voilà, de son, arrêtez de parler de prime. Sa carrière. Mais, non, mais voilà, mais je pense que. Alors, tu parles de prime quand il a fini sa carrière, hein, pas maintenant. C'est vrai aussi, mais je pense que là, il est, si tu veux. Pardonnez-moi l'expression, mais voilà, dans un second prime en gros, tu vois, il est un peu dans un, dans un autre prime, voilà. Donc là, non mais étant donné qu'il est dans la force de l'âge, non mais ça, il est en pré-prime, là il est en post-prime. C'est ça, voilà. Donc là, je pense que non mais là, je pense que non mais ça déconne, je pense que vraiment, là, Lopez, cette saison, à l'âge qu'il a, il va nous faire une grande saison. Et vous verrez que j'aurai raison. Mais, ça j'en doute pas. Je sais pas vous, mais moi, de un, peut-être qu'il a retrouvé son niveau, mais je trouve un axe d'amélioration la relance beaucoup plus propre, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus posé. Mais c'est pas lié qu'à lui, hein. Oui, c'est vrai. C'est aussi les propositions. Secondement, je trouve qu'il est ressorti beaucoup plus mature et grandi. Bah, c'est Roby qui dit ça, mature. Ah bah exactement. Voilà, bah j'ai pas vu. Ah bah voilà, exactement. Et voilà, avant on sentait qu'il y avait toujours ce gardien nerveux. Qui veut se battre, qui gueule. Là, il est beaucoup plus posé. S'assume. Tu sens que bon, il a le soutien autour de lui, et parce que les supporters de Twitter ne sont pas les supporters du stade. Il était papa aussi. Mais oui, mais ça marche aussi. C'est juste que moi, honnêtement, je regarde plus. Hein. Ça, franchement, Twitter, moi, c'est bon, j'arrête parce que ça me joue sur le moral. Et honnêtement, si, parfois, c'est les mêmes supporters. Mais non, c'est juste qu'ils défendent. Enfin, ils jouent pas au même sport, quoi. Enfin, ils font pas les mêmes choses. C'est-à-dire, hein, sur Twitter ou dans le stade. Dans le stade, tu vas voir du foot. Sur Twitter, tu cherches la merde. Donc, mais bon. Ça, c'est mon avis. Et notamment Anto Lopez. Qui a énormément subi. Donc, et toi, Anis, tu trouves qu'il progresse pas? C'est pas, enfin, je trouve pas qu'il progresse. Je trouve juste encore une fois. Non, c'est même pas un stag. C'est qu'il a, il retrouve son niveau, le niveau qu'on connaît avant sa crise. Mais c'est une progression, Anis. En fait, le truc, c'est que il a régressé la saison dernière, dû à médiatiquement parlant. Ce qui s'est passé, peut-être aussi à son coach qui n'était peut-être pas adapté à lui, mais vu qu'il a régressé, là, il progresse, il reprogresse, donc c'est une forme de progression. On ne peut pas lui enlever qu'entre le premier match amical d'Anto Lopez et maintenant, où tout le monde, rien à voir. Beaucoup de gens voulaient le voir partir. Moi je ne dis pas progresser, c'est tout. Moi le premier. Hein. Moi, et le premier. Peut-être que ça lui a fait du bien aussi. Oui, peut-être aussi la rumeur Onana, enfin la rumeur. Le recrutement raté de Onana, ça a été... Il l'a dit lui-même, ça l'a boosté. Et encore une fois, je crois qu'on joue juste sur les mots. Pour moi, il a pas, c'est pas, c'est, pour moi, c'est pas une évolution. On voit pas un jeu. Je vois un nouveau gardien à l'OL, c'est-à-dire que on a pris ses qualités d'avant et on lui a rajouté quelques trucs. Donc, de toute façon, on joue sur les mots, mais en gros, je le trouve beaucoup mieux et je suis très content. Mais il a fait un très bon match. Voilà, et qu'il m'ait fermé la gueule, je suis très content. Et autre axe de progression, les amis, ou du moins que moi j'ai perçu dans ce match, c'est notamment au niveau de la défense. On va passer à l'analyse de la défense. Alors, déjà, j'aurais préféré quand même un 3-0, hein, je vais pas vous le cacher. Mais on va faire comme si, puisque bon, ce penalty, c'est un peu le coup du sort. Tu sais pas si le match est arrêté, machin, bidule. Bon, on passe à la défense. La défense, on le rappelle, qui était Gusteau qui remplaçait Dubois qui est blessé. Diomandé avec Deneyer en charnière centrale et Emerson sur le côté gauche. Déjà, est-ce que cette défense vous a rassuré dans ce match? Oui ou non, Jordan? Alors, moi, il y a certains profils qui m'ont plus rassuré que d'autres. Alors, j'ai vu un Gusteau avec des jambes de fer proposer énormément, surtout en seconde mi-temps. Un Emerson digne d'un vrai latéral gauche de classe Europe. Des centres qui sont fantastiques. Un joueur qui impacte énormément sur son couloir. Tout ce que l'on n'avait pas vu depuis des années et des années. Donc ça fait extrêmement plaisir. Deneyer, format patron. C'était grandiose, hein. Hier on a vu que Deneyer était guéri, exactement,
Il est revenu, on sent que les matchs et le temps de jeu qu'il a eu avec son équipe nationale lui a fait énormément de bien. Il a retrouvé du rythme et de la confiance, et ça, c'est extraordinaire. Et par contre, moi, le seul bémol, si on peut mettre un bémol, ça restera Radio Mandé, qui n'a pas été vraiment rassurant, surtout en première mi-temps. Moi, il m'a fait peur. Il y a eu deux, trois fois où il m'a fait extrêmement peur. Je me souviens d'une balle perdue dans l'axe, au milieu de terrain, avec plus personne. Et ouais. Je ne sais pas qui, si c'est Ajor ou qui part pleine balle avec le ballon. Et heureusement, Canto Lopez gère le coup, parce que sinon tu prends un, et là la physionomie du va changer. Donc voilà, petit point noir sur Duvandé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars. Je suis d'accord. Après, c'est pas étonnant pour Duvandé, hein, qui fait pas une bonne prépa, qui a des matchs un petit peu compliqués, qui a des errements sur son positionnement, notamment sur coup de pied arrêté. Donc il y a quand même beaucoup de trucs à travailler. Et puis c'est surtout qu'il y a eu l'arrivée, l'entrée de Jérôme Boateng, qui a fait ses premières minutes. Donc on voit, hein, très clairement l'avènement de la charnière de Neuer-Boateng. Juste du point de vue défensif, on va parler juste au global de 2-3 minutes. Est-ce que vous avez trouvé l'OL plus solide, Thiago? Oui, plus solide. Donc là, on reste sur la défense, c'est ça? Oui, généralement, défense avec la défense, d'accord. Même s'il n'y a pas que. Tu as raison. C'est ça, voilà. Mais voilà, ok, très bien. Mais écoute, je rejoins à peu près les propos de Joe, hein. Il a tout dit. J'ai rien à rajouter. Oui, un gusto très très bon. Pour moi, Dubois doit avoir chaud aux fesses, même si pour moi il avait déjà chaud aux fesses depuis un petit moment. Mais là, franchement, si gusto il confirme dans les matchs à venir, après, ça peut être très intéressant. Il fait une erreur quand même sur le but. Malheureusement, voilà. Bon. Après, j'ai envie de te dire, tu fais quoi? Tu lui coupes le bras au mec? Bon, c'est un peu compliqué. De toute façon, c'est une règle assez spéciale. Hein. Bref, voilà. Emerson, putain, le mec, Eric Abidal. Ouais, c'est Dubois qui fait l'erreur. Le premier à critiquer quand même. Oui, c'est vrai aussi. Non, mais Emerson a été exceptionnel depuis Abidal. Depuis Abidal, je n'avais plus vu un latéral prendre son coup. Même Ferland Mendy, qui était très très bon, il le faisait pas tout le temps quand même. Mais là, franchement, Emerson, c'était pas le même profil. Bravo à lui. Ouais, c'est ça aussi. Denayer, taille patron, hein, très correct comme toujours, même s'il a eu un petit passage à vide en fin de saison dernière et puis en début de saison, là, c'était pas, voilà. Mais sinon, ça reste quand même très correct. Mais par contre, moi, Diomandé, ouais, je suis très, très, très inquiet. Moi, si c'est ça notre défenseur numéro 3 dans la hiérarchie, je suis très inquiet. Parce que si un des deux, Boateng ou Denayer, se blesse, moi, par contre, j'ai un peu chaud aux fesses. Donc voilà, mais Diomandé, franchement, c'est une très mauvaise note pour lui. Et je pense qu'on aurait même dû. Et on aurait dû le prêter pour moi. T'as encore Castelo, Luqueba et Da Silva au cas où. Alors, ouais. Je suis d'accord. Non, mais Jeannot, je suis tout à fait d'accord. Sauf que je pense que Bosch, il a vraiment une confiance en Diomandé. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je pense qu'il l'aime beaucoup. Ouais, je pense que c'est qu'il est le plus à même. Ouais, clairement. Tu penses, ouais. Bah, je sais pas. Da Silva qui a pris rouge. Hein, là, c'est, tu fais ça à défaut parce que tu sais que Boateng, il est peut-être pas non plus au top. Voilà, c'est moi je pense que c'était par défaut. Mais juste pour finir sur Diomandé, simplement pour moi j'ai même l'impression qu'il régresse. Déjà que balle au pied dans les relances, c'était pas foufou. Dans les airs, il s'est fait manger par Kevin Gamero qui fait 1m70. Franchement, c'est assez compliqué et j'ai même l'impression qu'au niveau du placement, pareil, il a complètement régressé avec Garcia, bon, qui lui était adepte du système défensif. C'était quand même un peu mieux, mais là, clairement, au niveau du placement, c'était vraiment limite, quoi. C'est très, très, très limite. Les amis, donc, voilà. Des choses à rajouter sur la défense où on passe au milieu de terrain qui a plutôt rayonné. Quand tu vois au stade Boateng rentrer. Et qui met une tête à tout le monde, et qui met 20 cm de chaque côté des épaules, il est assez impressionnant physiquement. Et si on a un Shaqiri qui commence à plutôt bien frapper les coups de pied arrêtés, avec Deneyer, Boateng. Moi, je mise quelques petites têtes sur les coups de pied arrêtés. Après, juste Boateng, alors il rentre, certes, il reste. On parlera des entrées. Non, mais on parlera des entrées. Ah, oui, okay, d'accord. Très bien, pardon. Ah, excuse-moi, oui. Et pardon. Surtout que, mon cher Thiago, tu as dit que Diomandé régressait. Tu as Bad Love qui te dit régresse, PTDR, allez, vas-y, c'est bon, wesh. Donc tout est dit, je pense. Il n'est pas d'accord avec toi. On passe. Eh ben, écoute, chacun a son avis. Ça arrive, c'est comme ça. ce milieu de terrain, les amis, du bon, du moins bon, des progressions. Des stagnations, voire des régressions. On va faire un petit peu l'analyse de ce milieu de terrain. Là, pour le coup, je veux vous le dire.
Je suis très souvent dur avec Guimarães. Je trouve qu'on... Parfois, on survend ses matchs. Je ne dis pas que... Voilà, mais juste, on en met un petit peu plus parce qu'il est bon communicant, parce qu'il est brésilien, parce qu'il est bon et qu'il est régulier. Hier, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Je vous quel dis régal, honnêtement. Quel régal. Je suis très exigeant avec ce type de joueur, avec son positionnement aussi en 6, un petit peu reculé. Il a fait vraiment un match exceptionnel et ça fait longtemps que je n'avais pas vu Guimarães à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il était régulier, il était plutôt bon, jamais catastrophique. Mais alors là, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Quand il avait le ballon dans les pieds, c'était... moi, j'avais envie de danser la samba, hein, sans déconner. Hein. C'était c'est son jardin. C'est son jardin. C'était Fernando Redondo. C'est un peu à ses premiers matchs en Ligue des Champions. Exactement. Moi, j'ai retrouvé celui-ci. Il est flamboyant. Et puis, en plus, il y a cette petite virgule petit pont, là, mais qui est juste... Oh là là, elle fait mal. C'est... Oh là là, c'est... Non mais et je l'ai senti moi libéré le mec, franchement il a joué libéré parce que des fois Guimarães souvent il est toujours très correct mais il joue souvent tu sais avec une légère pression due à quoi je ne sais pas, mais là libéré, tous ses gestes étaient la fluides, concurrence, hein. Les passes, ouais voilà c'est ça, les passes claquées, enfin incroyable vraiment. Et rappelons à Nice que notre cher Guimarães a pas eu une semaine des plus faciles. Parce qu'il a eu un déplacement, il a joué avec le Brésil. On le sentait pas en forme physiquement, un peu de mal au tout départ. Puis finalement, il s'est libéré. Comment tu as vu ce match à Nice? Exact. Bah, pour parler du milieu, moi je vais dire ce que adore dire Romain Molina, El Grande à Bruno Guimarães, parce que pour le coup, même s'il est effectivement les 20 premières minutes, c'était assez compliqué pour lui dans le match, il a quand même fait beaucoup d'erreurs. Ouais, il rate quelques passes. Passes, exactement. Par contre, mais quel masterclass il a fait, quelle lecture de jeu, il s'est très bien positionné. Tu sentais qu'il avait l'envie de jouer, il était très content, il jouait très bien. Les passes qu'il a fait, le centre pour celui qui fait le centre, je pense, c'est lui qui a fait la passe décisive. Pour Dembélé, ouais. Voilà. Voilà, il a l'œil, il avait tout. Et pour moi, c'est il méritait plus qu'un 10 parce qu'il a vraiment géré de A à Z le milieu. Après, il n'est pas dans l'équipe type de l'équipe. Bon, attends, tant pis. Ah ouais, c'est vrai, il a raison, Morgan, la passe pour Moussa aussi, c'est un canard. Ah oui, c'est ce que dit Anis, c'est vrai, ah oui. Justement. Aouar, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Alors, je l'ai plus vu en seconde période qu'en première mi-temps. Première mi-temps, je trouve assez terne. Transparent, oui. Par contre, en deuxième mi-temps, si c'est ce Aouar qu'on peut avoir toute l'année, ah bah heureusement qu'on ne l'a pas rendu. Mais alors, pour le coup, il courait partout. Je pense que, comme a dit hier sur RMC, que Aouar, le fait de le laisser un peu une sorte d'électron libre, ça l'a super bien. C'était super, super bien. Réussi, il a essayé de presser, il courait. Dès qu'il perdait la balle, il montait tout de suite sur le ballon. En fait, lui, il a vraiment compris le principe de jeu de Bosch. Et je trouve que ce Aouar-là, c'est ce qu'on cherche. En fait. C'est pourquoi on l'a tellement critiqué. C'est parce qu'on sait qu'il peut faire les ça. Les efforts, ouais. C'est pas. Et pour finir, Thiago Mendes. Ouais. Et Thiago Mendes, malheureusement, ça sera mon joueur. Ça sert à rien d'en parler, je pense. Il faut même pas en parler, non, à mon avis. Il faut en parler, mais pas pour le casser. Ah, franchement. Voilà, il faut en parler. Thiago Mendes, je suis encore déçu. Il s'est pas trop mis en avant, dans le sens où dès qu'il avait la balle, comme d'habitude, il ralentissait la balle, mais tu sentais qu'il était tout le temps à contre-temps, ou qu'il était un peu perdu sur ce terrain-là. Ça sert à rien de lui, ça sert à rien d'attendre quelque chose de lui. Peut-être qu'il n'est plus à Lyon, peut-être qu'il attend. Juste à Nice, juste. Attends, Mendes, on va juste passer à Jeannot quand même, qui ne s'est pas exprimé sur le milieu de terrain. Jeannot, toi, juste pour faire le lien, un petit peu avec ce qui a été dit, Guimarães, bon, je pense que tu vas en tresser des lauriers et tu as vraiment raison. Mais sur la complémentarité de ce milieu de terrain, est-ce que tu l'as trouvé pertinent? Oui. Oui, oui, bien sûr. Bon, voilà, il y a Thiago Mendes où j'ai eu un aspect plus positif au stade, on va dire, que quand j'ai revu le match. Parce qu'au stade, j'avais vraiment l'impression, et je me trompe peut-être hein, parce que je ne me concentrais pas forcément sur lui, mais qu'il était un peu plus libre que Guimarães, qu'il était très haut et que du coup, il pesait sur le milieu de terrain et sur la défense et qu'il ne savait pas vraiment comment le gérer. Et ça laissait plus d'espace aux autres. Par contre, quand j'ai revu le match à la télé,
Là, je l'ai trouvé inexistant. D'ailleurs, il me semble qu'il touche 12 ou 17 ballons, un truc comme ça, en première mi-temps. Et ça, c'est quand même assez catastrophique. En première mi-temps, il n'y a que deux joueurs qui touchent moins le ballon. Il y a le gardien. Et il y a je ne sais plus qui, un défenseur. C'est 30 ballons à Mendes. Ouais. Mais ouais, c'est beaucoup trop faible. Mais pourtant, je ne veux pas l'enterrer non plus parce qu'il n'a pas fait un match où il nous coûte cher. En même temps, on l'a pas beaucoup vu, mais donc. Moi, je pense qu'il traverse le match, hein, comme il a traversé le mercato et comme peut-être il traversera la saison. Hein. Mais bon, ça, on c'est verra. Clair. Mais du coup, je trouve que, on en parlera plus tard, pardon. Mais ce milieu de terrain me va bien avec un Aouar en 10 qui peut aussi se repositionner sur le côté gauche. Et Anis l'a dit parce que Aouar, je l'ai un peu défoncé en début de saison parce qu'il était horripilant. Parce que c'était la mode aussi. Hein. Non, pas parce que c'était la mode. À Brest, c'était une catastrophe. Le mec marchait. Mais moi, ça m'a rendu dingue sur mon siège. Par contre, là, c'était un régal. Oussem, moi, je suis le premier à vouloir le voir réussir et à vouloir qu'il s'illumine en Ligue 1. Ce mec, c'est un joueur du club. Il est bourré de talent. Et là, quand on le voit lancer le pressing... être toujours présent, proposer, être juste techniquement, et t'as envie de l'épouser. Mais je pense qu'un Cacré peut éventuellement, j'en suis certain en fait, apporter beaucoup plus qu'un Thiago Mendes. Ouais, après c'est des profils différents. De toute façon, on sait pertinemment que Cacré part avec une longueur d'avance sur Thiago Mendes. Donc il n'y a pas réellement de débat. Mais sur ce match, c'est vrai que pour moi, je l'ai trouvé transparent. Et juste avant de passer à l'attaque, mon cher Anis, je lis tes commentaires. Juste, il y a Roby Rob qui nous dit « Mendes, c'était Mwemba hier, discret et propre, sans aucune plus-value ». Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Voilà, exactement. Il traverse le match. Il n'y a pas trop de pertes de balles, mais il n'y a pas trop d'efforts non plus. Et juste sur Aouar, si je peux donner mon maigre avis sur Oussem Aouar, peu importe là où il est, s'il est bien, qu'il se sent bien avec ses partenaires et qu'il est bien physiquement, il sera bon. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'un match de foot, ce n'est pas facile. Honnêtement, on n'est pas derrière la play, c'est compliqué. Des fois, tu prends des chocs, des fois, tu dois te placer, des fois, tu es fatigué, tu enchaînes des matchs, etc. Ce n'est pas facile, il ne faut pas... idolâtrer un peu le football en disant c'est ultra simple machin, quand il revient à ce niveau de performance là, que ce soit à gauche, que ce soit à droite ou là dans l'axe, parce que Boz a tenté quelque chose, il fait quand même souvent des passes décisives, il fait quand même souvent la dernière passe, la passe clé. Il peut faire que progresser s'il est bien entouré et si dans la tête et dans les jambes ça va. Et j'ai l'impression qu'on retrouve justement ce Aouar. Et pour terminer, on a dit, il y a je ne sais plus qui dans le commentaire qui dit « Aouar, je le trouve lent ». Évidemment que Modric, il est lent aussi, sans vouloir comparer. Hein. Mais les milieux de terrain, il y en a qui sont lents. Mais il y en a que si ils voient le jeu avant, ils accélèrent. Et du coup, ils deviennent rapides. Donc moi, j'ai bien aimé aussi Oussem Aouar là-dessus. Mais très bonne réflexion. Le football n'est pas facile. D'ailleurs, Karl Togo et Cambi nous le prouvent tous les week-ends. Mais, exactement. Mais justement, la transition est toute faite. Bravo, mon Jeannot. Le talent a décidément un seul visage. Et c'est celui de Jeannot, le stagiaire. On passe justement à l'attaque. Attaque où là, peut-être que ce ne sera pas la définitive. Peut-être que Jordan nous en parlera après. On va parler de KTE, Dembélé et Shaqiri. Première pour Shaqiri. Premier capitana titulaire, je crois, pour Moussa Dembélé. Et encore un match compliqué pour Toko et Cambi. Les amis, j'ai promis à Thiago de s'exprimer en premier sur le cas Moussa Dembélé et l'attaque. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça te rassure? Est-ce que tu t'es régalé? Que dire de Moussa? Que dire? Parce que pareil, c'est... Alors Moussa Dembélé, écoute, il marque un super but. Il marque un but à la Sonny Gol, à la Jean-Pierre Papin, le mec. Il te met un but magnifique. Mais le problème, c'est que derrière, tu vois plus rien. Alors, tu vois plus rien, je suis peut-être un peu dithyrambique, mais simplement dans le jeu, donc il a toujours ce côté... Pas forcément dithyrambique, alors... hein, pour le coup, mais bon... Oui, pardon, excuse-moi, oui. Non, mais simplement, je pense qu'il est... Je mélange un petit peu tout. Dos au jeu, ça reste une valeur sûre. Il pèse sur la défense, on le sait très bien, ça reste une valeur sûre à ce niveau-là. Mais par contre, techniquement, on sait que c'est pas le meilleur du monde. Mais franchement, là, fallait quand même s'accrocher. J'ai quelques situations où, alors oui, il prend l'espace.
J'ai d'ailleurs l'image d'une passe de Guimaraes où il prend l'espace, il met un petit coup d'accélérateur et Djikou revient sur lui magnifiquement. Mais sinon, mis à part ça, c'est un match encore terne. Alors, il marque des buts. Ça, franchement, c'est très bien. Meilleur buteur avec Mbappé. C'est ce qu'on lui demande. Hein. C'est ça, et c'est ce qu'on lui demande. Mais j'aimerais un investissement. Voilà, j'aimerais un investissement quand même. Voilà, décrocher, revenir, participer au jeu. Fils, hein. Est-ce que pour vous, comme ça là, dans cette proposition d'attaque, on utilise bien Moussa Dembélé, oui. Au moins. Oui. Je pense que oui, ouais, mais bah, je pense façon, attention, nuance. Comme ça. Ça va avoir peut-être ses répercussions au cours de la saison, parce que je pense qu'il marquera sa quinzaine de buts, ça j'en suis persuadé. Mais attention aux répercussions peut-être sur une partie de la saison, parce que Moussa, on connaît un peu, c'est 6 bons mois ou 4-5 bons mois et après derrière ça s'écroule. Ça, après on verra, mais je peux comprendre ta volonté de, à un moment donné dans la saison, savoir innover, parce que c'est aussi ça un championnat. Il faut savoir innover au bon moment et peut-être qu'on pourra l'associer à peut-être Shaqiri ou un autre joueur. Anis, est-ce qu'il est là, Anis? Parce que je ne le vois pas, il devait aller chercher des écouteurs. Il est là. Moi, je voulais juste relever quelque chose, Cookie, si tu me le permets, sur Dembélé. Mais Dembélé, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, on a des vrais centreurs au sein de l'équipe. Ce qui change totalement la physionomie de ce que tu as proposé en attaque. Moussa Dembélé, c'est friand de bons ballons. Mais il rate ses têtes. Alors, il rate ses têtes, c'est vrai, malgré qu'on ait vu quand même des sacrées jolies têtes de Moussa. Mais je pense vraiment que la physionomie d'ajouter au centre à Moussa, de lui balancer des ballons, ça va lui permettre de beaucoup plus se scorer que comme on l'utilisait avec Rudy. Je pense vraiment que Moussa, dans ce dispositif, et en tant que pur neuf, il pourrait être intéressant. Beaucoup plus que si on essayait de l'exploiter à deux ou sur un côté. Donc, on ne touche pas Moussa à prouver ses galons. J'aurais été en accord avec ta réflexion, Thiago, si on était avec l'effectif de l'année dernière, ou du moins en début de saison, où il n'y a pas vraiment d'ailier, on ne sait pas vraiment qui va jouer en 10, et là, à ce moment-là, il aurait fallu un joueur. Du talent et de la classe de Memphis pour redescendre, décrocher, venir chercher les ballons et t'apporter un surnombre. Mais par contre, quand tu as des joueurs de qualité comme Shaqiri, comme Paqueta, comme Aouar, comme Bruno ou comme même Boateng qui est un très bon gelon, et ben là il va t'apporter énormément, Moussa, oui, parce qu'il va peser sur les défenses et on va lui demander de marquer. Et quand je suis intimement persuadé que quand un Moussa est bien servi et droit dans sa tête, c'est un très bon buteur. Je pense que c'est plutôt ça. C'est une question, évidemment, de confiance. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est globalement, techniquement, assez limité, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Mais qui, avec la confiance, avec la proposition de ses partenaires et avec ses appels, si tu le sers, il va réussir à faire une frappe comme hier ou alors éventuellement de mettre sa kyrielle de but. Après, je rejoins Thiago quand même sur globalement sa production au cours d'un match. Je trouve qu'il s'endort un petit peu, qu'il propose un petit peu moins, mais tout reste à peaufiner. Il y a quand même encore une fois Toko Ekambi sur le côté gauche, hein, c'est pas le meilleur pour combiner. Donc moi je suis pas un grand fan de Moussa, mais honnêtement je le retrouve souriant, je le retrouve au pressing. Hier il a pas mal couru pour le pressing, qui fait énormément d'appels même dans le vide. Il garde une bonne mentalité, il met un super but. Mais tu sais quoi, c'est super intéressant ce que tu dis, Cookie. C'est vrai que j'ai pas pensé avant, mais tu parles de la notion de sourire. Souvenez-vous quand même que Moussa, c'est pas un mec, il est un petit peu comme Dolberg, hein. C'est pas trop un gars qui sourit beaucoup, hein, Moussa. Et hier, je sais pas si vous avez vu, il fait une interview vendredi, je crois, sur la chaîne du club. Il en a fait deux. Ouais, et puis maintenant il fait ses petites interviews, il y a pas longtemps. Les 3 points. Tu sens qu'il y a quand même. C'est vrai que dans la com, il y a du changement. Il est un peu plus. On peut dire que c'est de la com. Mais il n'est pas obligé de le faire, d'accord? C'est pas contractuel, donc ça veut dire que c'est plus ou moins une démarche qu'il le faisait pas. Cookie, tu sais pourquoi? Parce qu'il a aussi un rôle majeur maintenant à l'OL. Il est deuxième capitaine. Oui, mais on ne peut pas promettre le capitanat pour motiver forcément un joueur. Mais je suis d'accord avec toi, ça joue aussi. Ça joue. C'est vrai que ça joue.
Ça le responsabilise. On va passer au... Enfin, à Shaqiri d'abord, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on va l'intégrer avec, ouais. Avec les entrants, puisque finalement, c'est un entrant aussi, puisqu'il vient d'arriver dans l'équipe. Vrai. C'est son premier match. Shaqiri, comment vous l'avez trouvé globalement? Et ensuite, sur le coaching, qui a été plutôt bon, j'ai l'impression. Tout le monde a un petit peu joué, même Keita sur la fin. Shaqiri, est-ce que vous avez vu ce dont vous attendiez de ce joueur? Genre Shaqiri, ce qui est à moitié dans ton lit. Non, ce qui est... Blague à part, franchement, c'est quand même un gars qui propose des choses et des solutions que l'on n'avait pas à l'Olympique Lyonnais. Qui avant, propose une qualité de centre qui est assez énorme, qui décroche beaucoup. On voit que c'est un mec qui est polyvalent, hein. Tu le ressens. Il a joué sur la droite, il a joué sur la gauche, qu'il a joué au milieu de terrain. Même au milieu. Il est très, très polyvalent. Ouais. Il est très polyvalent. Il arrive très bien à se faire oublier, peut-être aussi que sa taille y est pour quelque chose, hein, mais il arrive très bien à se faire oublier des défenseurs. Ça, c'est très intéressant. Il est intercalé entre les lignes. Il passe entre les jambes des adversaires. Et il replace beaucoup les joueurs sur le terrain. Je ne sais pas si vous l'avez observé, moi je l'ai beaucoup regardé. Pour Busto, ouais. Et il est tout le temps en train de dire mets-toi là. Il propose des solutions pour. Mais il est investi de fou. Hein. Il est super investi. Et on l'a reti dans le Cop Nord. Quand il approchait le Cop Nord, on sent qu'il est proche des supporters alors que c'est son premier match. Il y a quelque chose qui se dégage. C'est assez exceptionnel. Moi, franchement, j'ai trouvé qu'il était énorme. Il harangue la foule. Hein, on n'oublie pas aussi. C'est des choses important, c'est des petites choses, mais il va voir le match des féminines, il s'intègre, il communique, il est investi, il est professionnel. Il a refusé la sélection avec juste, la Suisse. Juste, si je puis me permettre, et juste, je vais compléter ce qu'avait dit Joe, parce qu'il a tout à fait raison. Et effectivement, Shaqiri, souvent, justement, il rentrait intérieur pour laisser le couloir à Malo Gusto, et plusieurs fois, il lui a dit « Hey Coco, vas-y, passe derrière, pof !» Et à chaque fois, c'était ça. Et à Lyon, un dédoublement, ça fait depuis je ne sais pas combien de temps qu'on en a pas vu. Ça, c'est vrai. Franchement, c'est très intéressant. Ouais. Et puis, il apporte, comme Jordan a dit, c'est en fait de l'imprévisibilité dans ton jeu. Et ça, c'est ultra primordial. C'est que peu importe ce que tu peux faire, au moment où tu dis bah, c'est un putain de gaucher, il fera rien, hop, il centre du droit. Au moment où tu dis il va repiquer, hop, finalement, c'est il dédouble. Et il casse des lignes. Il casse des lignes aussi. Et il casse des lignes, c'est très important. Et encore une fois, physiquement, il n'est pas ouf, hein, il n'est pas au niveau. On voit que c'est encore en train d'être réfléchi son positionnement et son apport. Donc c'est quand même de bon augure. Il fait quelques erreurs sur ses passes, mais dans les intentions, à chaque fois il accélère le jeu, à chaque fois il joue en une touche de balle, et il vient de chercher, il vient de toucher Bruno ou Oussem en 10, et à chaque fois il te débloque une situation qui est très intéressante. C'est vrai. Alors, on va pas forcément passer à Toko, les amis, puisque c'est un peu toujours la même rengaine sur Toko et Kambi. Il rate beaucoup. En plus, il rate une super passe de Shaqiri dont on parlait juste avant. Mais juste sur les rentrants, la première de Boateng, Cherki plutôt percutant, honnêtement. Ça, c'est vrai que c'est très plaisant. J'aime bien Cherki. Moi, je le préfère à gauche. Personnellement, mais c'est vraiment à titre personnel, j'aime bien quand il rentre sur son pied droit. Et aussi Paqueta, on va parler, adepte des enroulés pied gauche, hein, c'est son style. Sur les rentrants, il y a Kakré aussi. Jeannot, on t'a assez peu entendu sur ses rentrants, sur la gestion de l'équipe. Est-ce que tu es plutôt content? Et finalement, ce banc traduit que ton effectif est plutôt de bonne qualité, finalement. Ouais, c'est vrai. Très satisfait de ces changements. J'étais content de voir les jeunes, de voir Cherki, de voir Keita. Ça leur permet aussi de découvrir un peu plus les terrains, de se familiariser avec les nouveaux joueurs. Et puis, il y a Paqueta. S'il est rentré, c'est qu'il était apte à jouer. Enfin, du moins que Bosch a trouvé qu'il était apte à jouer, donc ça ne m'a pas plus qu'inquiété. Et d'ailleurs, il a apporté à l'équipe avec un superbe but. Il y a qui d'autre? Boateng qui est rentré. Bah voilà, tu le mets en jambe, il vient d'arriver. Pareil, c'est cohérent. Il manque de rythme un petit peu aussi. Ouais, voilà, mais c'est comme ça que tu l'intègres. Et c'est qui le dernier rentrant? C'est Kakré. Bah voilà. Ouais, je trouve que c'est cohérent. Tu fais tourner. Tu reposes les organismes tout en donnant du rythme au nouveau.
Voilà, c'est intéressant. Après, je ne peux pas tellement juger la rentrée. Il y a celle de Paqueta qui est excellente. Il y a son petit lob au départ. Je me dis, bon, il la joue un peu facile. Et au final, il me fait taire 30 secondes après. Exactement. La première passe pas, la deuxième, je te tue. Hein. Ouais, c'est ça. Et Cacré, très bon. Oui. Cacré, très bon. Cherki, bon, intéressant, il a fait le taf. Voilà, moi je suis plutôt plus que satisfaisant comme entrée. Ce que j'ai bien aimé chez Cherki, c'est qu'il va au bout de ses actions. Et parfois, alors il est bon, hein, il fait de bonnes choses, on l'a vu faire de bonnes passes. Mais là, il va au bout de ses actions et il n'hésite pas. Anis, vu qu'on te réentend maintenant. Enfin. Est-ce que ces changements t'ont plu, le coaching de Bose t'a plu, et surtout, est-ce que finalement, quand tu vois ce banc de touche là, finalement, notre équipe, elle est peut-être pas si mal. Alors, je vais le faire en 30 secondes, comme ça je ne monopolise pas la parole. Je vais juste revenir sur Shaqiri, 30 secondes, sur une action. Il a perdu la balle au milieu de terrain, et il est revenu juste en défense pour récupérer le ballon. Oui. Ça, c'est juste incroyable. Et il tire en touche, et pas en corner. Ouais, et c'est ça, c'est juste une leçon incroyable à tous les Lyonnais qui ont joué depuis je sais pas combien de temps, de voir Shaqiri, alors qu'il vient d'arriver, de faire ce geste-là. Maintenant, je passe aux entrants. J'ai aimé l'entrée de Boateng, parce que même si, déjà, j'ai aimé quand il est rentré les applaudissements du public. J'ai adoré la façon. T'as aimé le coup de savate sur Diallo? Le petit Ouais, ça va, c'est déjà pas, mais sans plus. J'ai aimé aussi lorsqu'il y a eu le deuxième but de Denayer, si vous le voyez bien, au ralenti, il prend tout le monde, il leur dit « calmez-vous, maintenant on va jouer au mental ». J'ai aimé ses positions, il était tout le temps juste, et ses passes qui étaient millimétrées. Maintenant, Cacré, c'est du Cacré, je trouvais qu'il était simple, et il jouait. Je trouve qu'il se cherche encore. Cherki, j'ai adoré son jeu simple, et surtout, il faisait les efforts pour revenir. Habib Keïta, j'attends beaucoup de ce jeune. Je trouve qu'il a du ballon et je pense qu'il va faire du sale quand il va grandir. Il a encore très jeune. Ouais, il a encore fait marquer. Et bien sûr, le Paqueta, le grand Paqueta, le El Grande, encore une fois, Paqueta qui dès qu'il rentre, ben c'est notre star quoi. Donc du coup, tout ce que j'ai à dire, c'est super. Et pour répondre à la question de Cookie, je suis content puisque ça c'est enfin il y aura des jeux. Pour moi, les trois qui sont rentrés, Paqueta, Boateng, Cacré, font partie de l'équipe type. Mais de me dire que sur le banc, on a quand même des remplaçants. C'est peut-être pas le standing que j'espérais avoir, mais c'est quand même un très, très, très bon banc qui va nous permettre, au moins pour la Ligue 1, d'avoir une bonne équipe. Écoute, à moins de 6,5 millions d'investissement, c'est très cash, bien. C'est très bien. Ça reste quand même pas mal. Ouais. Et surtout, ça se met en place. Qui aura le dernier mot sur... Sur ce coaching. Je veux bien dire un petit truc. Allez. Mais par rapport. Ça englobe le coaching et le banc. Tu vas pas nous vendre ton Cacré encore, hein, ça va, on a compris. Non, tu sais quoi. Honnêtement, Cacré a fait un très bon match, pas de soucis, fait une très bonne entrée. Mais ce qu'il faut se dire, on a beaucoup parlé de la jeunesse lyonnaise, on a parlé de notre banc qui était peut-être trop frêle, mais on observe quand même qu'il y a des jeunes, beaucoup de jeunes à Lyon qui ne sont pas du tout enterré comme on a pu l'entendre. On a quand même du Gusto, du Cherki, du Cacré, du Keïta et j'en passe. Donc la jeunesse lyonnaise est bien présente. Barco, etc. J'en parlerai après. Mais la jeunesse lyonnaise est très très loin d'être morte. Et ta jeunesse lyonnaise, là, la beau être tout ce que tu veux, ouais. Au moins, tu vois, quand tu veux faire pousser une plante, il y a toujours un tuteur. Et là, on en a recruté des tuteurs. Et c'est plus ça, moi, qui me plaît beaucoup. Alors maintenant, totalement. Avec l'arrosoir Peter Bose, normalement, ça devrait faire un beau petit arbre, du moins, à en cette saison. On va passer au social tour, mon cher Jordan. Sujet, un sujet positif. Épineux. Un sujet plus épineux, tu as raison, Thiago. Générique, peut-être, mon cher Jordan. T'attends, toi, qu'est-ce que tu me dis? T'es supporter de l'OL et t'as jamais écouté Interférence Lyonnaise sur Twitch? Aucun respect. Alors là, les amis, si on pouvait mettre une musique de suspense, un environnement tamisé, parce que là, attention, c'est le scandale de la semaine dernière, annoncé en premier par Gaël Berger, confirmé par El Grande Craquito del Journalistico Hugo Guimet, Guimaraes et notre cher Paqueta, absent jeudi.
décision, je crois, mais vous allez me confirmer ça, de l'Écosse, voilà, qui ne veut pas du Brésil, de la samba brésilienne lyonnaise. On va prendre vos avis, essayez d'être factuels, les amis, parce qu'on est tous un petit peu dégoûtés de ne pas voir nos joueurs. Mais ouais. Juste factuellement, Anis, Jordan, si vous avez à peu près compris ce qui s'est passé, et dites-nous dans le chat ce que vous en pensez et les recours possiblement que l'on pourrait faire. Donc je sais pas. Exprimez-vous, les amis. Jordan, Anis, peut-être un peu. Anis, tu veux commencer si tu veux. Comme tu le désires, vas-y. C'est notre journaliste, alors, Anis. Hein. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai bien saisi, la législation, ou du moins le nouveau. C'est plutôt l'Écosse. Non, c'est pas la Ligue, c'est le pays. C'est le pays, oui, c'est l'État, okay. L'État écossais, le gouvernement. Voilà, le gouvernement a mis en place des mesures anti-Covid et notamment pour les touristes ou les personnes venant de pays étrangers. Il se trouve que, bien sûr, le Brésil est dans une liste rouge pour l'Écosse qui, lorsqu'ils viennent, donc il faut qu'il y ait un certain, enfin une quarantaine, voilà, une quarantaine, etc. Sachant donc que nos deux internationaux. C'est une décision étatique. C'est pas le club. C'est pas les Rangers qui ont décidé. C'est bien l'État écossais qui ne veut pas. Et ça, c'était pour, en fait, trois joueurs qui étaient Bruno Guimarães, Paqueta et Tino Cadeore. Bon, Tino Cadeore étant blessé, ça ne rentre pas dans l'histoire. Ensuite, suite à ça, bien sûr, le Lyon a essayé de remonter l'information à l'UEFA en leur demandant de trouver une solution. Avec des tests ou quoi, peut-être qu'ils pourraient... Alors, jusqu'à présent, je pense sûrement Ponceau est dessus et qu'ils vont trouver une faille. Mais pour l'instant... Le match est jeudi. Hein. Le match est jeudi et pour l'instant, les deux ne peuvent pas y aller. Sachant que l'UEFA a décidé, enfin, a essayé de trouver une solution, peut-être terrain neutre, peut-être intervertir, je ne sais pas. Mais ils essaient de trouver une solution pour que les joueurs qui vont aller, et ça va par contre, ça va être le cas sur plusieurs journées, puisque par exemple en octobre, on reçoit aussi. C'était une question justement de Youssoel. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans lesquels ça se passe? Et est-ce que c'est une situation qu'on pourrait revoir à l'avenir? Alors, dans d'autres pays, très probablement, mais c'est une situation qu'on va revoir très, très prochainement, puisque en octobre, il y aura encore des matchs internationaux. C'est nul, mais c'est comme ça. Et on aura la même situation, puisqu'on aura des joueurs qui vont venir de pays de zone rouge. Et qui seront bien sûr non acceptés dans les pays, que ce soit en France ou au Danemark ou en Écosse, ou je sais plus c'est quoi le dernier pays sur lequel on joue. Donc du coup là, nous on se retrouve un peu pénalisés parce que c'est nos deux meilleurs joueurs. Complètement. Si c'était par exemple Tino, Slimani et Thiago Mendes, je pense qu'on n'aurait pas fait tout ce pataquès. Mais maintenant on est d'accord que ce sont ceux qui ont voyagé à l'étranger. Oui. Ok, d'accord. Mais ça manque un peu de cohérence tout de même, parce que tu as des mecs comme Slimani. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi pas Slimani, mais Bruno Guimarães et Paqueta. En plus, Slimani a joué son jeu par le cœur de notre milieu de terrain, quoi. Alors, en Écosse, je vais te répondre juste pour Slimani. Pour l'instant, en Écosse, et de ce que j'ai vérifié, et je ne l'ai pas trouvé personnellement, le match de l'Algérie contre, je crois que c'était, je ne sais plus quel pays, s'est joué au Maroc. Parce que, il devait se jouer dans un pays africain, et ce pays africain ne pouvait pas, il y avait, je ne sais pas quel souci, du coup, a été délocalisé au Maroc. En Écosse, actuellement, le Maroc n'est pas considéré zone rouge. Donc, Slimani n'a pas eu ce problème-là. Okay. Peut-être qu'il est considéré, mais je ne l'ai pas trouvé dans la liste que j'ai vérifiée. Voilà. Ouais, de toute façon, ça manque de cohérence, un peu comme la gestion de cette crise sanitaire. Mais... Un petit peu. Alors, moi, je pense surtout après, que c'est une erreur. C'est une gestion étatique, c'est une décision législative du gouvernement qui doit normalement s'appliquer à tous les corps de métier, y compris le football. Comment ça se fait que c'est anticipé par l'UEFA? Après, oui. C'est différent. Mais après, l'UEFA ne peut pas interdire non plus un Guimarães d'aller jouer au Brésil, tu vois. L'UEFA n'a pas à penser... pour les clubs personnellement. Après, peut-être que de l'information, à voir si l'information a bien été diffusée. Thiago. Mais d'ailleurs, les Rangers, ils ont un attaquant, Alfredo Morelos, qui est d'origine colombienne. Ils ont aussi, je crois, deux autres joueurs qui sont d'origine d'Amérique latine. Est-ce que eux aussi seront sanctionnés? Sur ce que j'ai compris, c'est pareil. Non, ils ne sont pas sanctionnés, mais eux, en revenant, ils ont quand même... Oui, mais en revenant, ils ont fait la quarantaine. Oui, mais ils ont fait leur quarantaine.
Ah, ok, d'accord. Okay, enfin, ils ont fait le temps voulu par voilà, la législation. Par ils sont rentrés directement en Écosse, eux, ça les arrange. C'est ça, ils sont rentrés directement en Écosse et ils ont dû faire 7 jours de quarantaine. Nous, tu fais venir donc quelqu'un, là, même en si gros, c'est de la France, on est d'accord. Guimarães peut jouer si on jouait dimanche, en soi. S'il faut 7 jours. Ouais, donc, dimanche. Ouais. Même Paqueta aurait pu jouer parce que du coup, c'est quand tu reviens. Honnêtement, je pense pas que ça soit visé contre Paqueta et Guimarães. Le gouvernement écossais se soit dit, pardon. Ça, Paqueta, ils ont autre chose à foutre. Hein. Voilà, exactement. Après, moi, de ce que j'ai compris, j'ai vu du terrain neutre ou alors délocalisé. Je sais pas comment. Bon. Je vais faire abstraction. on n'est pas dans le droit de refuser de jouer le match parce que nos joueurs sont interdits de jouer en Écosse. Donc là, on est un peu emmerdé. Bah, je pense que ouais. Après, faut voir comment on va gérer cet aléa. De toute façon, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'y ait pas de communication en amont. Je pense que le club était au courant, mais était peut-être optimiste. Ça se trouve, on va trouver un terrain d'entente pour je ne sais quelle raison, parce que des exceptions, peut toujours y en avoir, hein, des exceptions à une loi, suffit d'avoir les bons actes juridiques et tu peux l'obtenir, et peut-être que l'UEFA, Lyon, etc., par recours... arrivera, mais c'est vrai que c'est handicapant clairement pour l'OL de se déplacer sans, entre guillemets, les plus ou moins deux meilleurs joueurs du dernier match, hein, en soi, voire peut-être de l'équipe. Donc voilà, nous verrons les suites. En tout cas, le match c'est jeudi, et pour l'instant, à l'heure, selon Anis, c'est ça, ils ne peuvent pas être qualifiés sur la feuille de match. Pour l'instant, mais ça peut changer à tout moment, on a jusqu'à mercredi pour y arriver, quoi. Je pense que Jean-Mimi fera pression. Bah, espérons en tout cas, et nous suivrons cette information. Autre information plus positive cette fois, et là c'est le coup de cœur de Jordan Meunier, on va pas se mentir. Hein, parce que bon. Alors moi je ne choisis pas les sujets, c'est Jeannot et le chef Jordan, mais il y a eu changement dans la direction artistique de cette émission, dans la construction même des sujets. Il voulait nous parler de Bradley. Bradley qui ? Bradley Cooper ? Non. Bradley Barcola, et il va nous en parler. Jordan Meunier, il a enfin signé son contrat pro, le petit. Exactement, le petit devient un grand. Et ce qui est très intéressant, c'est que Bradley Barcola, c'est le profil peut-être que l'Olympique Lyonnais n'a pas. On a recruté un ailier gauche, c'est bon. Exactement, voilà. On a notre ailier gauche, peut-être donc professionnel, certes. Mais est-ce qu'il va jouer avec la Ligue 1? C'est encore une autre question. Cette année, il est à 5 matchs, 3 buts, 2 assists, mais sur un rôle plutôt de numéro 9, malgré que je crois que c'est son premier match où il a joué, il a dépanné sur l'aile droite. L'année 2020-2021, en 4 matchs, il a mis 2 buts aussi, il n'a pas proposé d'assist, mais il jouait sur un rôle de numéro 9, mais de formation. C'est un attaquant gauche. Qui a mis 2 assists aussi en Youth League sur l'année 2019-2020. Le frère donc de Malcolm Barcola, gardien de l'Olympique Lyonnais, qui vient tout juste d'avoir 19 ans. Hein. Il a eu le 19 ans là, le 2 septembre, si je ne me trompe pas. Et il a signé donc son premier contrat professionnel jusqu'en 2024. Donc voilà, on a peut-être trouvé notre fameux ailier gauche. Je pense que s'il a signé son contrat professionnel, Peter a dû valider en amont ce choix. Mais donc, parce que c'est surtout pas un hasard. Si je me trompe pas, hein, je parle sous ton contrôle évidemment, Jordan Meunier. Je pense que c'est Bose qui le fait monter les galons entre guillemets, puisqu'il n'avait pas de contrat pro avant. C'est lui qui est allé le chercher un petit peu pour les matchs de préparation. Il répondait plutôt présent dans les matchs de préparation. Ça paraissait peut-être logique. Hein. C'est peut-être un cursus logique pour sa prolongation. Mais je serais quand même pas surpris. Que Peter Bose n'y soit pas étranger, parce que voilà, il s'en c'est est servi, possible, ouais. Il a trouvé le profil, et du coup ça a peut-être accéléré. Pas d'autant plus que pendant les matchs de prépa, il s'est avéré très bon. Il s'est montré, pardon. C'est ça. Il s'est montré à plusieurs reprises très très bon. On a pu voir aussi sa qualité de percussion. C'est un joueur, et je pense que je parle en son contrôle, mais je pense que Joe pourra un peu plus nous aiguiller par rapport à son style de jeu. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de vitesse, qui percute énormément. Ouais.
Il est droitier de mémoire, ça. C'est un droitier, c'est ça? C'est un droitier, exactement. C'est un ambidextre ou c'est... Non, c'est un droitier. D'accord, très bien. C'est un droitier qui joue sur la gauche, qui aime repiquer, qui peut rentrer dans l'axe. Alors, c'est pas un mec qui va beaucoup centrer. Je pense pas que ce soit un gars qui va beaucoup centrer. Par contre, il va t'amener beaucoup d'impact dans ton attaque. C'est peut-être un petit peu ce profil d'ailier impact que tu n'as pas à Lyon. Et niveau descente, tu as Emerson qui derrière pourra combler le manque de... C'est pas dramatique, parce que tu as Emerson qui monte très haut et qui s'est très bien centré. J'ai une question, Jordan. Ouais. Est-ce que c'est plus un Pléa, un Martial ou un Sylvain Hidangar? Moi, j'aime pas trop les... J'aime trop évidemment, c'était la réponse que j'attendais. Oh, il est fort. Juste une petite question. Est-ce que c'est un joueur qui, au niveau de sa finition, doit encore évoluer ou c'est un joueur qui a déjà quand même une bonne finition Vu son âge, oui, je pense. Parce que j'ai vu quelques images en N2. Et effectivement, c'était assez intéressant au niveau de sa finition. Déjà, depuis le début de saison, sur ses 5 matchs, il fait un début de saison canon. Hein. Franchement, il est au-dessus du lot. Honnêtement, s'il y a un joueur en National 2 qui sort du lot actuellement, c'est bel et bien lui. On l'a vu, comme tu le disais, sur les matchs de préparation où il a été très bon, où il marque, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à Bourgoin. Oui, il est très, très intéressant. Alors oui, il est jeune, hein, il a 19 ans, il a un axe de progression encore énorme. Mais voilà, il est. Mais est-ce que tu le vois à commencer dans une rotation? Ah, voilà, au-delà de ça, est-ce que tu penses actuellement qu'il peut rentrer dans une rotation? Au-delà du désert hein, qu'on a quand même sur en ailier gauche remplaçant, même si tu auras Cherki à placer quand même avant, peut-être Toko s'il est plus titulaire, il faudra quand même le faire jouer. Comment tu vois son utilisation au cours de la saison? Je sais que c'est très compliqué, mais on voit un Keita qui rentre à la 88e, donc ça veut dire que potentiellement il est dans la rotation. Est-ce que tu vois le même avenir à court terme, en tout cas, cette saison pour Barcola? Moi, je vois vraiment un Barcola qui va être intégré au fur et à mesure. L'instant. Alors, okay. c'est un peu tendre. Moi, je pense qu'il va être intégré délicatement de la part de Boss, parce que je sais et je suis certain. Et si on fait une belle saison, tranquille. Là, il pourra. Voilà. Si on fait une belle saison, il va peut-être jouer plus que prévu. Bien sûr. Moi, je le vois bien rentrer sur les 10, 20 dernières minutes de temps en temps sur des matchs qui n'ont pas d'importance ou des matchs qui sont tués à 3-4-0 à 10 minutes de la fin. Tu peux le faire rentrer. Mais voilà, je pense vraiment qu'il peut entrer dans une rotation. Est-ce qu'il a le profil pour être titulaire directement? Je ne pense pas. En cas de casse énorme dans le milieu offensif, pourquoi pas le mettre en tant que titulaire? Mais ça sera vraiment pour dépanner. Je ne le vois pas titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais avant au moins une bonne année et demie. Eh bien, écoute, on lui souhaite le meilleur. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Beaucoup de suiveurs de l'OL disaient que c'était un petit peu dommage qu'il n'ait pas son contrat pro. Donc voilà, chose faite jusqu'au 30 juin 2024. Bravo à lui. C'est ça. Donc, belle progression. Et puis, il sera bien entouré, je pense, avec Shaqiri et compagnie pour progresser. On va passer au quart d'heure du supporter, ou du moins au sujet. Et en tout cas, on va accueillir un nouveau supporter qui voulait nous parler d'un sujet en particulier, de Peter Bosz, de tactique. Lyon a-t-il trouvé la formule? Jordan, et on accueillera Mathieu juste après. Jingle. Comment qu'évont mes petites lyonnaises là? Bon, quoi de prévu ce soir? Moi, j'écoute Interférence Lyonnaise avec un petit apéro au top. Alors, c'est bientôt l'heure de l'apéro, mes amis, mais pas encore, restez avec nous. On est à 10-15 minutes avec notre invité supporter Mathieu qu'on accueille. Est-ce qu'il est là? Parce que moi, je ne vous vois pas. Il est là, Mathieu. Ouais, il est là. Comment il va, Mathieu? Salut à tous. Ça va? Salut, ça va, et vous? Salut. Bah alors, il y a eu la victoire ce week-end. Présente-toi, d'où tu viens? D'où tu viens déjà? Moi, j'habite... On va dire, sans être trop précis, on va dire à 2 heures de Nantes, à 1 heure de Rennes, enfin dans ces environs-là. D'accord. 14 rue des Lilas, c'est ça, hein, exactement. C'est ça, exactement, ouais. C'est ça. Très bien. Donc oui, toi, tu t'es régalé, tu voulais parler de tactique. Lyon t'a plu? Ouais, ça m'a plu parce que je pense que c'est le premier match de la saison où on a vu vraiment un Lyon
approximativement de la première à la 90e minute assez intéressant parce que, alors je dis approximativement parce que la première mi-temps m'a quand même laissé sur ma faim sans être trop dur. Je suis d'accord avec Jordan sur ce qu'il a dit, notamment à part le but. Je pense que si on n'avait pas eu le but en première mi-temps, ce serait quand même fait chier. Après, la deuxième mi-temps a vraiment été la plus aboutie depuis que Peter Bosch est présent. Même au-delà des matchs amicaux, parce que bon, oui, les matchs amicaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Après, est-ce qu'on a trouvé la bonne formule ? Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Je pense que ça, on s'en apercevra au fil des matchs, et surtout quand on aura affronté des adversaires un peu plus coriaces, comme Nice. Je dois avouer, j'avais fait une petite apparition dans votre émission il y a un moment. Moi, j'étais vraiment pour le retour de Christophe Galtier. Et je pense toujours que ça aurait été un bon choix. Mais j'ai beaucoup changé d'avis sur Peter Bosch. Parce que je trouve que ce qui s'est passé ces dernières semaines, au-delà du sportif, dans sa façon de parler cash, dans sa façon de dire aux joueurs merde, s'il faut leur dire merde. Toi, ça, ça te plaît Ah, ça me plaît beaucoup. Parce qu'il y en a plein le dos, des joueurs qui font ce qu'ils veulent, qu'on n'a rien à foutre du club, qui voient le club comme un tremplin. Et que le mec se transforme en mi-entraîneur, mi-directeur sportif, qu'il arrive à nous ramener des joueurs impliqués, prêt à refuser presque la sélection pour s'entraîner avec nous, qui arrive à attirer des mecs qui seraient sûrement pas venus il y a quelques années et qui vraiment est obligé de faire des choses qu'il ne devrait même pas faire, c'est-à-dire apprendre les bases du respect et de la motivation à des joueurs. Ça me plaît beaucoup. Pour toi, c'est la meilleure recrue que Lyon pouvait faire finalement, avec un peu de recul. Comme je te dis, je pense que ça dépendra avec le temps, mais vraiment, de plus en plus, il me plaît cet entraîneur. Vraiment, je sais pas si on va finir sur le podium, je pense honnêtement toujours pas, parce que bon, Paris pour moi c'est en 1, et Nice et Marseille vont être très durs à aller chercher, mais je pense que pour une fois, il faut qu'on laisse vraiment du temps à cet entraîneur, et si c'est un projet qui se fasse sur 3 ou 4 ans, il faut qu'on lui laisse 3 ou 4 ans. Je sais qu'on a besoin de la Ligue des Champions, je sais qu'on a besoin de plein de choses, je sais que si on n'a pas certains objectifs de réaliser, on va perdre Paqueta, on va perdre certains joueurs, mais c'est pas grave, le club il s'en enlèvera, on a déjà perdu des gros joueurs, on en reperdra d'autres et ça c'est pas très grave, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse de Peter Bosch notre projet central, parce que ce qu'on a vu là sur le match hier, ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qui t'a plu, c'est tactiquement ou c'est tactiquement ou c'est de... Alors déjà, ce que Peter Bosch nous avait vendu depuis le début, c'est-à-dire le pressing qui nous amène des buts, le pressing haut, on l'avait pas vu. Là, on l'a vu. Le troisième but notamment. Le troisième but, c'est une récupération haute de Emerson. Il me semble qu'il a fait un match fantastique. On a un vrai arrière gauche. Et ça, c'est le Peter Bosch parce que ça, on l'a pas vu depuis le début du match, depuis le début de la saison. Ouais, vas-y. J'ai une petite question pour Mathieu. Toi, Mathieu, donc tout à l'heure, en début de live, on a un peu parlé de la défense. Toi, comment tu vois la défense ? Elle te rassure ? Alors, nous, on était plutôt mi-figue, mi-raisin, mais je pense qu'on était plutôt mi-figue. Hein. Je sais que je ne vais pas me faire que des copains, mais je vais te répondre sur... Oui ? Non, vas-y. Ouais. Alors, la défense m'a rassuré, oui et non. Déjà, je sais que ça a choqué, mais Boateng ne m'a pas spécialement rassuré quand il est rentré. Alors, attention. Je suis d'accord. Attention. Avec toi. Attention, ce n'est qu'un début de match. Je ne parle pas de son carton jaune, mais je l'ai trouvé loin du défenseur, pas serein. Après, il a des soucis perso, il revient, machin, tout ça. Je vais pas faire le footix. Dans 2 mois, ça se trouve, je lui lècherai les pompes. Donc, je vais pas dire qu'il a été mauvais. Surtout qu'il manque de rythme. Il n'était pas dans une préparation avec un club. Je vais pas trouver exceptionnel. C'est vrai, t'as entièrement raison. Mais il a raison. Oui, Emerson, il a raison, Mathieu. Je l'ai trouvé extra. Ça fait vraiment un truc incroyable d'avoir un vrai latéral gauche. Denayer, j'ai trouvé que c'est son meilleur match depuis la mi-saison dernière, parce que la fin de saison a été catastrophique, le début de saison était compliqué. Mais il a pu enchaîner avec son équipe nationale et ça lui a fait du bien. Et Gusto, j'ai bien aimé, mais attention, on s'enflamme un peu là. Les 10 premières minutes, il rate 3 passes très faciles. Défensivement, il a fait vraiment un... Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a fait un bon match, mais il va falloir qu'il confirme, parce que défensivement, il y a des matchs où il nous a prouvé que c'était compliqué quand même. Donc, faut pas non plus dire tout de suite il est meilleur que Dubois. Faut attendre. Dubois, c'est pas. Sur le match d'hier, Gusto, pour toi, il fait une prestation plutôt
correct. Ah ouais, mais, non, il fait mais un toi, bon tu veux, tu veux préciser quand même qu'il y a encore des axes d'amélioration. Dubois, c'est pas le meilleur latéral droit du monde, mais les gars, si Gusto dans deux matchs il nous fait une faute incroyable, ah, d'ailleurs là il nous coûte un but. Malgré son match, il nous coûte quand même un but. Faut pas non plus tout jeter. Enfin, Gusto, c'est pas, voilà, c'est pas titulaire. Je suis pas d'accord, Mathieu. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Attention. Bon, vas-y, Anis. Non, mais vas-y. J'ai juste une question pour Mathieu, mais vas-y. Sinon, ça change de sujet en fait. Mais vas-y. Je fais ça en 10 secondes, mais simplement, non. Je te trouve un peu dur sur Gusto parce que franchement, on s'est tapé quand même du Dubois depuis deux saisons. Mais toi, t'es peut-être un peu optimiste aussi sur Gusto à l'instant T. J'ai dit que je l'ai trouvé bon. Mais je l'ai trouvé bon. Moi, je suis plus d'accord avec Mathieu. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de matchs. Certes, il fait un match bon aussi, match, mais il y a encore certaines choses à améliorer. Mais je suis d'accord que Gusto, il faut attendre. Du moins, j'espère, aura sa place de titulaire À l'instant T, pour moi, c'est devant Dubois et large. Ouais, alors, mais ouais, mais tu crains ton jeune joueur là, sinon. Non, il faut arrêter avec ça. Moi, honnêtement, avant le match de hier, je voyais plus Gusto comme un contre-attaquant, comme un défenseur. Hier, il fait un bon match, mais attends, quand tu le mets contre Paris ou quoi, ça va peut-être pas être la même chose. Puis de toute façon, Dubois, on le voit bien, que ok, il tient pas sur la durée, mais surtout, il va fermer sa gueule s'il sort à la 50e et que ton Gusto, il devient un contre-attaquant super pour finir le match. Tu vois, là où l'inverse. Si tu commences à bousiller ton capitaine que t'as missionné, et que tu fous un Gusto qui a 19 ans, en potentiel, Gusto a plus de progression devant lui, et peut-être que Dubois, voilà. Après, s'il se trouve, tant mieux d'avoir un Gusto qui est bon, quoi. Et mais... on a vu les deux facettes de Gusto contre Clermont, c'est là où j'ai trouvé que ce match était très révélateur, c'est qu'il peut nous faire gagner le match sur la percée où Toko et Awar se jettent, enfin, vraiment incompréhensible, où on marque pas. Et derrière, il se fait prendre deux fois dans le dos. Et notamment, le corner qui amène le but, c'est Gusto qui se fait prendre dans le dos. Donc, il faut rester mesuré. Je pense vraiment, j'aime beaucoup ce joueur. C'est un bon joueur. Mais Dubois, s'il est en équipe de France... Je ne suis pas un grand fan de Dubois, mais s'il est en équipe de France, OK, on n'a rien au poste de latéral droit, mais ce n'est pas non plus la pipe du siècle. Il a fait quand même des bons matchs. Je pense qu'on ne peut pas non plus dire que Gusto, qui a 18 ans et qui sort du centre, est le titulaire en puissance. Il faut raison garder, je pense. Ouais, je pense que juste milieu... Tu as raison, pour moi, hein, c'est mon avis, de le mentionner, en tout cas. Et plus globalement, toi, dans cette formule, dans cette animation, t'en parlais, tu trouves ça plus équilibré. Déjà, ouais, je pense qu'au-delà des joueurs, parce qu'au début, on n'avait pas l'équipe type, on a trouvé le système, qui est le 4-2-3-1, parce qu'avec un disque, que ce soit Shaqiri, que ce soit Paqueta... Donc, on a trouvé la bonne formule. Je pense. Mais après, ça va se voir au fur et à mesure, mais en tout cas, dans ce système, t'as trois joueurs qui peuvent jouer au poste de numéro 10. Et tu peux mettre beaucoup de joueurs à plein de postes. C'est-à-dire que tu peux mettre Awar, tu peux mettre Shaqiri, tu peux mettre Paqueta. Paqueta, de toute façon, tu peux le foutre partout, tu le foutrais gardien qui serait bon. Awar, tu peux même le mettre en 6 avec Kakré, on peut imaginer. Enfin, tu as des joueurs que tu peux mettre vraiment en double pivot. En tout cas, il l'a déjà joué comme ça. Pas en 6 tout seul devant la défense. Hein. Mais en double pivot, je pense que pour dépanner, il serait capable de remplir ce rôle. Donc je pense que le 4-2-3-1, c'est interchangeable, interopérable. Ouais, c'est bien. On a des joueurs très polyvalents et ça me plaît. Et non, je pense que c'est le système qui nous garantit les... On peut pas jouer en 4-4-2, on n'a pas deux neufs suffisamment bons et de toute façon, ça combinerait mal. Le 4-3-3, on a vu que ça marchait pas. Le 3-5-2, le 5-3-2, peut-être ponctuellement contre des équipes un peu plus fortes, mais pour moi, le 4-2-3-1, ça reste la meilleure solution. Après, il y a jeu avec ballon et sans ballon. Hein. Tout est voilà, le système se modifie dans une des deux circonstances. Ouais. Donc voilà, en soi, 4-2-3-1, 4-3-3... Est-ce que vous êtes d'accord, juste avant de terminer, si vous avez une question pour Mathieu, mais est-ce que vous êtes d'accord sur la question globale ? Est-ce qu'on commence à toucher au but ? Est-ce qu'on se rapproche du système parfait, mais de l'alignement de départ le plus cohérent ? Ouais, tu sens d'ailleurs que les automatismes commencent à arriver, et puis même si Thiago a raison, le système change énormément en cours de match... Tu sens quand même qu'il y a ce double pivot avec Guimarães et Mendes, un Oussem un peu dans l'entrejeu pour le match d'hier, et un Shaqiri et un Paqueta un peu plus sur le côté droit, mais qui peut venir apporter du soutien au milieu. Donc voilà, tu sens que même si ça bouge, il y a ce 4-2-3-1 qui se forme et qui me semble intéressant et le plus adapté pour combiner avec les joueurs qu'on a.
Les amis, est-ce que vous avez une question à poser à Mathieu? Sinon, ce sera le dernier mot de Mathieu. Je crois qu'elle je vais juste faire un parallèle avec ce que disait Mathieu. Je trouve que ça résume assez bien ce tweet-là. Le tweet de Paul B, hein, que j'aime beaucoup suivre. Il dit « Impressionnante similarité entre l'arrivée de Peter Bosz à l'Ajax et celle à l'OL, un impact au-delà du sportif dans le club. Ouais. » En fait, c'est vrai que Peter Bosz, il a apporté bien plus que... un style de jeu et une mentalité dans ce qu'il veut mettre en place. J'ai trouvé qu'il a changé, tout changé au club. Il a changé l'état d'esprit, il a changé la hiérarchie, en tout cas chez les joueurs, il a bouleversé beaucoup de choses. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu trouves que Peter Bosz va pouvoir changer plus que le sportif? Je suis totalement d'accord avec ça et j'en suis même surpris parce que même si on savait qu'il y avait des problèmes à Lyon, ça met vraiment en lumière que lui, contrairement à tous les autres avant, il est arrivé, il a vraiment été choqué de ce qu'il a vu. Et je pense que les autres, ils s'en apercevaient même pas, mais lui, il est arrivé, il a dit « Mais attends, c'est quoi ce bordel là ?» Je suis obligé de dire des choses, comme il l'a dit lui-même, que je devrais même pas dire, en fait. Enfin, il a fait, limite, un dépassement de fonction, quoi. Il a fait un dépassement de fonction, c'est le mec. C'est un éducateur, quoi. C'est Pascal le grand frère. Enfin, Il a fait des erreurs de com salvatrices pour le bien du club. Moi, c'est comme ça que tu vois, sur RMC, ils l'ont jugé comme des erreurs de com, mais même, tu vois, j'ai discuté, ils ont dit qu'il avait été dur avec Guimarães hier. Mais je pense que si Guimarães fait une très bonne deuxième mi-temps, c'est peut-être parce que dans le vestiaire, il lui a dit Guimarães, bah ouais, t'as peut-être été bon, mais t'as raté des ballons, là, qu'est-ce que tu me fais? Et c'est pour ça, c'est avec cette exigence qu'on va retrouver un bon niveau. C'est pas en leur disant, en leur lustrant les pieds, en leur disant les mecs, vous êtes géniaux, qu'on va atteindre un niveau d'exigence. Ça fait 10 ans. Tu avais un autre mot que les pieds, j'ai l'impression. Mais... Ouais, mais bon, je me suis dit, bon, on est sur Twitch, donc faut faire gaffe à ce qu'on dit. Donc. Ouais, ce qui est fort, c'est qu'il a même réussi à changer la mentalité des supporters, de la direction tout en haut, parce qu'il travaille très bien en collaboration avec Juni. Et ouais. Même si là c'est pas une mentalité, mais il a changé le staff, hein, et je pense que ça peut faire une différence. Et en très peu de temps. Et toi, Jeannot, est-ce que tu vas te lustrer les pieds après ce live ou pas? Ouais, je sais pas, mais c'est probable. Sur le match de dimanche, peut-être. Ouais, peut-être. Et j'espère. En tout cas, merci Mathieu pour tes expressions, ton franc-parler et ta pertinence. Très très bien, c'était une très bonne intervention et tu reviens évidemment quand tu le souhaites, mon ami. Bah, merci à vous de m'avoir donné la parole et puis c'était une émission sympa. Et puis on espère que les prochains matchs vont être aussi satisfaisants à regarder. Oula, malheureux, Inchallah. L'Europe commence, que Dieu t'entende. Jordan, une fois n'est pas coutume, je te laisse le mot de la fin. En tout cas, merci Thiago, merci Anis, merci Jeannot, et merci au nouveau Mathieu, et merci à tout le monde dans le chat. Ça fait plaisir de vous retrouver, de faire une émission, certes plus longue, mais on a été privé quand même pendant 2 semaines. On devait bien se rattraper, on vous le devait bien. Jordan, je te laisse le mot de la fin, c'est tout pour moi. Eh ben, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à l'émission. C'est toujours un grand, grand plaisir de vous avoir. On se rejoint donc sur l'émission spéciale C3. Et oui, les amis, parce qu'on a donc changement de décor, changement d'ambiance. L'interférence lyonnaise C3. Et oui, il porte le maillot avec merveille. Hein. Et toi, tu as un réel flocage derrière. C'est pas marqué Ken. Comme Ken le surnom. Non, c'est pas Ken, et c'est pas comme un compte Twitter qu'offre des faux maillots aussi. Non, c'est bien, malheureusement, un vrai maillot. Ça m'a coûté cher, mais bon, voilà, il y a le badge d'Europa League. Donc, espérons que ce soit le maillot du titre, pourquoi pas. En tout cas, on va essayer de gagner le premier match. C'est déjà pas mal. Inch'Allah. Hein. Donc, on se retrouve en tout cas vendredi 17 à 21h pour cette interférence loi. Et je voulais juste aussi passer un gros gros big up, je l'avais déjà fait, mais je veux vraiment le refaire. Il était une fois l'Olympique Lyonnais par CE, disponible à Lyon. Franchement, c'est un mec génial, qui est très très gentil, et en plus avec un don du dessin qui est formidable. Il arrive à retracer l'Olympique Lyonnais à travers la BD. C'est vraiment très très fort, donc je vous conseille à tous et à toutes d'aller choper ce petit fascicule à seulement 3€. C'est vraiment offert vu la qualité du produit. Donc allez vous renseigner, allez acheter ce petit fascicule et vibrer à travers le pas de l'Olympique. Est-ce qu'on a le droit de lui écrire sur Instagram, lui, pour 3€? Alors lui, pour 3€, vous pouvez lui envoyer un message, même gratuitement. Par contre, il y a certains comptes lyonnais, il faut faire attention, c'est beaucoup plus cher. Donc, à 49€, je crois, un truc comme ça.
de mémoire. Ouais, voilà. Ne vous faites pas arnaquer beaucoup de choses sur Internet qui sont nocives. Hein. Donc, faites gaffe. Et surtout, hein. Jordan Meney. Lui, c'est terrible. Il est terrible. Ah, j'ai failli me faire avoir. Donc, pour vous dire. En tout cas, je vous embrasse tous. Les Gones, c'était un réel plaisir. On espère la victoire ce jeudi. J'allais dire mercredi. Ouh là là, malheureux. Ce jeudi. Et on se rejoint vendredi pour l'après-match de ce magnifique match contre les Rangers en espérant qu'il y ait Lucas et Bruno. Salut la team. Passez tous une très bonne soirée. Allez, ciao les Gones. Ciao. Salut tout le monde. Salut les gars.